Bonsoir et bienvenue dans le talk de Web Girondin TV, l'émission de Web Girondin. Cette émission est en accès libre et elle est possible que grâce aux sociaux qui nous soutiennent. Donc si vous le pouvez, devenez sociaux. Il reste quatre finales. Voilà, quatre. Pour accéder à la Ligue 1, on décrypte ça ensemble avec l'équipe autour du micro qui va se compléter au fil des minutes. Je commence par Monsieur Jonathan D'Agostino. Bonsoir, Monsieur Jonathan. Salut, salut, bonsoir à tous. Comment ça va? Ben, ça va, j'ai passé un week-end par contre au chantier, encore à les peintures, etc. et tout. Ah, très bien. Mais donc Ah voilà, mais bon, j'ai quand oui. même pu regarder les matchs, etc. et tout, malgré tout, donc je me suis débrouillé. Bon. Donc ça va, mais week-end chargé malgré tout, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc ça va, et puis en plus on a gagné, donc Passe les messages, tu sais. ça donne encore plus de peps. Passe les messages, moi, c'est. D'accord, c'est chez une dame, Oui, alors la peinture. c'est la maman d'une très bonne amie à moi, donc Ah, très bien. Bon, on les salue. voilà, je Voilà. les salue, Marie et Audrey, je salue. On les salue. Merci Joe d'être là en ce jour férié 8 mai. Hein, vous avez, voilà, donc elle est là, 1er mai, vous êtes là, 8 mai, vous êtes là, c'est magnifique. Et on a Conan qui est là, qui fait son retour, casquette vissée, qui va piloter le chat. Salut Conan, comment vas-tu? Salut Nico, salut tout le monde, salut les sociaux et les supporters. Ça va très bien. Au plaisir de revenir à nouveau pouvoir discuter de nos amis bordelais et de tout le plaisir que l'on prend en ce moment avec eux. Ah, il a la banane, Conan. C'est C'est clair. impressionnant. Pleine forme. Pleine forme, Conan. Hein. C'est bien. Allez, Merci bien. merci d'être là. N'hésite pas à afficher les messages chez Conan qui a la main sur les messages qui s'affichent, je vous le dis. Et il est là avec le magnifique t-shirt champion 2008-2009 qui ont été en vente dès le lendemain du titre de champion de France Place des Quinconces. Monsieur Gino Forte. Salut Gino. Salut Nico et salut à tous les copains, à tout le monde qui nous suit. Comment vas-tu? Ça va, on a passé un beau week-end. Hier, j'étais à Angoulême avec le rugby pour un tournoi très sympathique avec le club de Pro D2 qui nous a très bien reçus. Belle structure sportive à Angoulême. Et après le week-end, au-delà de ça, aux Girondins qui étaient superbes. Je salue notamment Gaspard qui vient du Pays Basque dans le virage apparemment quelques fois dans l'année et qui salue toute l'équipe du Talk qui m'a dit des mots juste avant le match très touchants comme quoi c'est un peu sa thérapie à lui ces lundis. Et je me suis un peu retrouvé dans ce qu'on vivait, c'est vrai, à certains moments ces dernières années. C'était très sympa de sa part. Donc, on le salue, Gaspard et tous ses potes du Pays Basque. Eh bien, salut Gaspard et salut à tout le Pays Basque. Hein. On pense Il à y en a Monsieur qui montent Tchimendi, souvent. Eh oui. oui, Je pense c'est clair. à mon copain David que je salue aussi également. Voilà, allez, on va. Parfait, hein, on accueillera Laurent, supporter des Girondins sociaux. Qui est supporter depuis Brive, Brive-la-Gaillarde, qui sera avec nous à 19h45 pour partager, échanger avec nous sur, sur ses avis sur les Girondins. Je On est vois en que le direct. chef Romain Avril a un petit message pour Gino. Ah, il est là, Ah, le le hit! chef. Un petit Ouais, message salut. basket. Au Ah. chef Aruna, Slade, qui suivent beaucoup la NBA. C'est vrai que mon équipe de Miami est plutôt bien face à New York. Donc, on va voir comment ça va continuer. Surprenamment bien d'ailleurs, de là où ils viennent. Hein. C'est surtout Eh ça. oui, on a une belle équipe. Ouais, ça, c'est Avec Jimmy incroyable. Butler, notamment la star de l'équipe, qui était venue à Bordeaux il y a 2-3 ans, invité malheureusement par GACP, mais par contre, qui adore le Bordeaux et qui est un grand amateur de vin et qui suit pas mal le foot. Voilà. Salut à Florence qui est avec nous, salut à Donatien, salut à Victor, David qui nous suit depuis le Cantal, Jack Russell qui est là, Observer 33, GG, on salue Aruna, Enzo et chef Romain Avril qui nous regarde depuis Toronto, à moins qu'il soit en voyage sur le globe. On ne sait pas où il est parce Oui. qu'il voyage beaucoup, chef Ouais. Romain. Allez le suivre sur les réseaux, vous verrez, il fait des jolies recettes. Et si vous êtes spécialiste du croissant, il a fait, je sais pas, il en a Ouf, combien là? Il a au moins c'est 100 revues de croissant. extraordinaire. Là. Ah non, mais là, tu prends 10 kilos, tu regardes ses recettes, ses trucs. C'est de l'art, hein? C'est de C'est pas l'art. faux. Voilà, on est diffusé donc sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. On est 10 955 sur YouTube, donc ça monte, c'est fantastique. Vous savez qu'on s'était dit, ce qui serait top et génial, c'est d'atteindre les 11 000 abonnés sur la chaîne YouTube pour la fin de saison. Ça approche, on est bien Va le parti, faire, hein? mais c'est pas fait. Donc si vous nous regardez sur un autre réseau, sur Twitter, Facebook ou sur Twitch, vous pouvez rester là sur ce réseau-là, mais abonnez-vous aussi sur YouTube parce que c'est là où vous aurez vraiment toutes les vidéos. Je rappelle que nous sommes soutenus par 264 sociaux,
Je nomme les derniers qui nous ont rejoints, Jeff, Frédéric et Pierrot. Merci à toutes et tous de nous soutenir. Je rappelle qu'il y a eu deux gagnants, Isa qui a gagné le maillot et Jonathan. Alors Isa a bien pris contact avec moi, mais Jonathan 444, c'est... Il n'y a pas de nouvelles, donc Jonathan, si tu regardes... Attends, j'envoie le SMS. C'est toi, Joe. J'aurais reçu, j'ai envoyé un mail. 444, c'est pas toi, Jonathan 444. Et, ah, tu m'as envoyé un SMS. Ouais, c'est vrai. C'est moi, il me dit, c'est moi, Nico, donne-moi le maillot. C'est pire que les mallettes. Hein. Oh là là. Heureusement qu'on n'a pas les supporters, certains médecins sochaliens qui regardent, ils croiraient encore une espèce d'entourloupe. Toujours. Non, jamais. Non. Mais Jonathan, si tu nous regardes, contacte-moi pour qu'on ait tes coordonnées pour t'envoyer ce que tu as gagné et connaître ta taille. Voilà. Enfin, pour le repas des sociaux, on mange ensemble les sociaux de WebGirondin TV. On est un certain nombre à manger ensemble pour le repas pour le match face à Quevilly ce samedi à Talence. Allez réserver, vous avez jusqu'à demain midi pour réserver, donc faites-le, c'est hyper important. Parce qu'après. Pour le repas, ça sera trop tard. Vous pourrez venir voir le match avec nous, mais le repas, on ne pourra plus réserver. Voilà, messieurs, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit ? C'est le moment d'afficher le sommaire. C'est parti avec. Alors, hop, j'ai enlevé ça. Ça s'affiche devant toi. Hop, voilà. Hop, on voit bien Gino. Première partie, enseignement, analyse du match. Bordeaux-Caen et les enseignements. Est-ce que la paire Gregersen est de niveau Ligue 1? On en parlera ensemble. On a un peu défriché légèrement ce sujet lors du débrief à chaud. Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes et de Strasbourg, qui est son club, qui était au match de la N3 hier à Talence. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Il était la veille aussi en tribune au Matmut pour assister au match des Girondins. Donc, je vous demanderai votre avis. Et enfin, QRM Bordeaux, on en parlera avec la présentation de l'adversaire. On échangera sur le match avec Joe, les pronostics et les infos en bref, où on parlera de la prolongation de Lenny Piringuel, il y a du nouveau. Et on parlera aussi de Junior Manga, puisque la liste pour le Mondial U20 va être communiquée mercredi, et il ne sera certainement pas dans cette liste, parce que Bordeaux ne va pas le libérer. Voilà, messieurs, est-ce que ça vous convient? Super. Ouais, ça vous convient? On est parti. Vous êtes chaud, top, tranquille. Top. C'est des petits talks de victoire quand même. Quand on est sur des séries de victoires, c'est quand même beaucoup plus calme les émissions. Mais il y a beaucoup de monde qui les regarde, hein, et ça, c'est génial. C'est cool. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire pour les gens qui nous regardent, Conan, c'est quoi? C'est de s'abonner. C'est pour ceux qui veulent devenir sociaux de cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat pour nous soutenir et profiter des avantages qu'ils auront en tant que sociaux, comme avoir l'accès au Discord, les repas des sociaux. Voilà. Mais si tu penses à autre chose, démerde-toi. Mais c'est très bien. c'est très bien. C'est surtout liker la vidéo. Liker. Mais j'ai mis tous les messages. Les messages sont affichés, il faut lire. C'est vrai que là. Sortez le pouce, les gars. Et puis je suis de retour. Donc, Et tu chantes toujours, Conan? Oui, ça m'arrive toujours. J'écris toujours. Là, en ce moment, je vais recommencer à écrire mon troisième livre dans ma vie. Oui. Alors, je lui demande s'il chante. Il me dit qu'il écrit des livres. Oui, je vais écrire à nouveau mon troisième livre. Je vais créer une histoire de JDR pour les amateurs de JDR que je vais créer et faire participer. C'est du jeu de rôle. Et je continue à écrire poèmes et chansons à côté. J'ai d'ailleurs prévu une petite surprise pour la fin de la saison. Ah, ça c'est bon ça. Eh bien, c'est magnifique, Conan. On est très content d'apprendre ça. Petit. Très bien. Voilà. Très bien. Petit truc. Eh bien, merci. Allez, c'est parti. Jingle enseignement. Je viens de voir le message de Observer 33 qui dit « J'espère que tu n'écris pas les mêmes livres que Bruno Le Maire, le ministre de la... » Je ne sais pas si vous avez très suivi. Bon. Bravo. Observer, très bon. Très bon. On ne sait pas à quel type. Non, ça ne sera pas sur Longue Épée non plus. Rassurez-vous, j'ai les commentaires. Et après, si Bruno, il est très chaud. Hein. Sur les livres, il est très très chaud. J'ai réagi sur le truc. Si tu me parlais aussi de si je m'entraîne toujours à chanter, oui, je m'entraîne toujours à chanter pour passer dans l'émission. Ah, génial.
Eh bien, c'est super. Je n'ai pas lâché, je compte toujours devenir entraîneur et peut-être, si mon rêve se réalise, entraîneur de Bordeaux. Alors là, Coronel, si un jour tu es entraîneur de Bordeaux. La route serait longue, mais... Oui, Joe. Ça laisse Jonathan sans voix. Non, mais t'imagines un trailer de Bordeaux qui gère le chat de l'émission, quand même. Ce serait beau, quand même. Tu resteras au chat, quand même. Ouais, ouais. Ah, forcément, je viendrai. Le lundi c'est soir, tu restes au chat. Nous, on veut pas savoir. Bon, allez, allez. Gino, t'étais au Matmut Atlantique. Oui, à Galice. On t'écoute pour tes enseignements. Alors, le premier, c'est apprendre à souffrir. Pourquoi ? Parce que ce match où on a plutôt bien démarré cette fois, en 4-3-3, avec un système différent, on a eu vite des difficultés, je trouve, que ce soit technique ou de placement. On a vu beaucoup Guillaume s'énerver, de même que le staff, sur la hauteur du bloc équipe, sur le pressing qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas. Et on a été vite en difficulté après ce but joliment amené, même s'il peut y avoir un litige sur le hors-jeu. C'était une action plutôt bien construite dans le centre du jeu. Et malheureusement, on a énormément subi, notamment en deuxième mi-temps, où les 25 premières minutes sont clairement très, très en deçà de ce qu'on peut attendre. Alors, les Canets auraient pu égaliser dans ce match, il faut être clair. Le climat était, lors de cette deuxième mi-temps, comme le stade, assez lourd, assez pesant. On sentait au niveau du stade que ça pouvait égaliser à tout moment, qu'on était vraiment un peu sur le fil avec cette équipe, bien que les Canets n'aient pas eu des occasions immenses dans ce match et qu'on a eu les meilleures opportunités, à l'image de Madja, qui aurait pu amener le second but. On a souffert énormément lors de ce match. Heureusement, je noterai aussi des joueurs qui ont su performer. J'ai parlé de Madja et de Zurico qui a été buteur. Gregersen et Poussin, assez décisif, notamment dans l'arrière-garde de ce match. Et il a fallu, comme je l'ai dit, apprendre à souffrir. Le deuxième, c'est vouloir jusqu'au bout. Dans ce final de la Ligue 1, de la Ligue 2, pardon, il nous reste 4 matchs. Et justement, pour monter en Ligue 1, on a des atouts, notamment à domicile. Ça va faire 37 points pour les Girondins de Bordeaux sur cette phase à domicile, avec 11 victoires, 4 nuls et 2 seules défaites. Donc, on va frôler peut-être les 40 points à domicile, ce qui est énorme. Ça va largement contribuer, si on le peut, à avoir cette accession en fin d'année. Je miserai aussi sur la solidité défensive, qui fait partie de nos points forts, extrêmement forts, avec ce 6e clean sheet en 7 rencontres, qui fait que lors de ces 4 derniers matchs, on a une base très solide pour se déplacer, mais aussi recevoir, qui pour moi me paraît fondamental, avec encore 2 réceptions lors de ces 4 matchs. Et le troisième, c'est savoir aimer, savoir donner, avec un virage chute qui a été magistral. Grand panier. Ouais, magistral, chaud, et qui a littéralement emporté le stade à certains moments. Je repense aux armes qui étaient très forts. J'ai revu le match, pour tout vous dire, puisque j'étais en bas du virage pour une fois, et... Même Bein Sport s'y est pas trompé sur la retransmission. Et ils l'ont dit. Et je peux vous dire que l'avoir vécu en bas, chapeau à tous les gens qui animent ce virage et tous ces gens qui sont en bas, match après match, semaine après semaine, et qui font un boulot formidable. Et l'ambiance était vraiment magnifique en ce samedi après-midi. Je pense qu'elle a aidé aussi l'équipe. Et ce qu'on a vu, c'est important. Il y avait des gens qui avaient le sourire à la fin du match, bien que c'était un match sous tension, pas le plus beau des matchs, loin de là, cette saison. Mais ce virage sud, il va être essentiel. Il va amener le stade, à mon avis, sur les 2 derniers matchs. Moi, j'en suis persuadé, ça va être une aide précieuse pour l'équipe. Merci, Gino. Joe. Moi, le premier enseignement, c'est l'attention et l'excitation de cette fin de saison en jeu qui ont bien été présents quand même samedi. On sent que les Girondins se sont vite crispés et ont déjoué durant une bonne partie de ce match, même si je trouve que le premier quart d'heure et les 10 dernières minutes étaient un petit peu mieux vu que le bloc était plus haut à ce moment-là. Mais on a senti beaucoup d'hésitation dans les choix, dans les gestes. C'est une petite alerte quand même à prendre en compte. Il va falloir apprendre à bien gérer son stress et ses émotions parce que la tension va monter crescendo en fin de saison et que beaucoup de joueurs n'ont pas cette expérience du haut niveau, cette expérience effectivement de match en jeu.
Les quatre derniers matchs qu'on va avoir effectivement seront effectivement des matchs très importants et très compliqués. Et on n'aura pas toujours un adversaire qui fera que des mauvais choix techniques dans la surface, dans notre surface de réparation, comme l'a fait Caen, et avec un arbitrage quand même favorable, il faut le dire aussi, pour être honnête. Donc, encore une fois, attention à notre capacité mentale dans la gestion du stress de l'événement, avec cette fin de saison en jeu. Le match d'aujourd'hui est une petite alerte. De samedi, pardon, est une petite alerte. Il ne s'est rien passé de dramatique, mais on a senti que ça commençait un petit peu à trembler par rapport aux deux matchs précédents. Mon deuxième point, c'est malgré le moins bon contenu, justement, et la moins bonne maîtrise que, justement, les deux derniers matchs précédents dans la globalité des matchs, la cohérence, quand même, et la solidité de l'organisation te permet de faire le boulot pour moi. J'en ai parlé dans les enseignements précédents. En acceptant Metz, nous sommes quand même sur une bonne série de clean sheets, et l'organisation défensive est une valeur sûre. Si on excède peut-être Bokele qui pour moi est sur une pente descendante. Et dans ce sprint final, c'est notre atout principal et notre force numéro une à préserver au maximum. Avec cet atout-là, cette solidité-là, on a l'impression qu'on peut quand même voir venir et que ça peut nous permettre effectivement d'accéder à la montée. Et enfin, le dernier point, mon dernier enseignement, et c'est mon enseignement principal, c'est que c'est une étape de plus franchie pour la montée. On va dire que quand, check. C'est fait. Prochaine étape, Quevilly-Rouen, un déplacement face à l'une des équipes les plus surprenantes de cette Ligue 2 là, cette saison. Il reste encore quatre cases à cocher avec notre stylo vert pour valider notre rêve absolu, ce qu'on osait imaginer en début de saison. Voilà, le principal enseignement surtout pour moi, c'est que c'est pas très beau, mais c'est efficace et pour moi, c'est ce qui compte à cinq matchs de la fin de la saison. Voilà. Pas beau, mais efficace, mais on s'en fout, quoi. C'est un peu l'idée. Le contenu, effectivement, était très compliqué à voir, mais à l'arrivée, de prendre les 3 points sur un match comme ça, face à une équipe, face à un adversaire qui n'était pas facile, on l'a vu, une très bonne équipe qui s'est jouée au ballon, qui s'est attaquée, mais qui a mal après géré, effectivement, la finition. Mais on a quand même, même sur le coup de pied arrêté, on n'a pas trop été mis en danger, alors que c'est l'une de leurs principales forces en plus. Donc, la solidité a été importante et ça nous a permis de maintenir notre but d'avance qu'on n'aurait pas fait il y a peut-être 2 ou 3 mois. Voilà. Eh bien, merci Joe, merci Gino. On accueille tout de suite Laurent Sociaux, supporter des Girondins, qui est du côté de Brive. Bonsoir et bienvenue Laurent. Salut Bonsoir Laurent. messieurs. Salut Très Laurent. heureux de vous retrouver ce soir tous. Nous aussi. Amis chroniqueurs, amis sauceurs, Nico, merci de ton invitation. On va être positif parce que on a de l'enthousiasme, mais faut pas s'enflammer non plus. Mais voilà, on est sur la bonne voie. Est-ce que je peux te demander de Beau faire tes maillot. enseignements, toi aussi, pour voir ce que tu retiens Oui. du match? Bon, t'écoute, Laurent, qu'est-ce que tu Ah, retiens excusez. du match? Je prends mes notes. Ah, t'as pris les notes. Hein. Ben ouais, parce que j'ai tendu entre-temps. Attendu quoi? Elle est la pelouse. Oh, je sais pas, je te demande. Donc Bon, là, mon premier t'écoute. enseignement, c'est. Alors, je vais parler du match après, mais je vais rejoindre sur beaucoup de points mes collègues. Une amélioration collective dans la force mentale qui est significative, mais qui reste quand même par moments fragile. Apparemment, tout le monde veut arriver à remonter en Ligue 1, objectif commun. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, une solidité défensive prononcée et irréprochable dans la maîtrise, l'application et l'efficacité. Une défense qui est le moteur, le booster de notre équipe. Barbet, Gregersen, Ntimba, Bokele qui est un petit peu en dessous, en maître du jeu. Le troisième, j'ai le ressenti que l'attaque est montée d'un cran dans l'intention, l'envie et le jeu, même si ça reste encore parcimonie. Attaque placée ou contre-attaque, cela tient à rien qu'il pourrait faire encore plus et mieux. Le Bon. milieu un peu plus sérieux est concerné, mais pourrait être plus tranchant dans la récupération de balles et plus solide dans les duels.
Tu nous lis tes notes là. Bon, c'est bien. Donc voilà. Donc si je retiens, c'est force collective en 1, solidité défensive en 2 et attaque qui pousse un peu d'un cran. Voilà. Alors c'est pas flagrant sur le match de Caen, mais sur les trois derniers matchs, si on fait des clean sheets et tout ça, c'est un ensemble. Et je vais rejoindre mon ami Gino en faisant un hommage aux supporters, aux ultras, qui depuis le début de saison sont partie intégrante du groupe, oui, de leur équipe. Le 12e homme, en cas de remontée en Ligue 1, ils auront été avec la défense les deux moteurs turbo de la réalisation de l'objectif commun. Non, mais c'est bien de le dire. Non, mais c'est bien de le dire parce que c'est vrai que là où je te rejoins, Laurent, je pense que cette atmosphère, elle a aidé énormément, notamment à domicile. Mais à l'extérieur, des parcages pleins quand même. Quand tu es joueur et que tu vois toute cette communauté qui vient partout en France en plus, souvent. Et il y a eu un lien entre les deux. Ça n'a pas lâché du début à la fin. Même dans les périodes difficiles, il y a eu des creux. Et on en reparlera, je pense, notamment les prochaines semaines, parce qu'il va y avoir des matchs éminemment importants à domicile qui vont arriver. Mais c'est essentiel de le noter. Et samedi, c'était partie prenante pour moi du match. Quand on voit l'extrait là, que le club a mis, bon, on le voit pendant le match aussi, mais toi, tu étais dans le virage Gino. Ouais. Quand on voit qu'ils défendent et tu as des encouragements sur chaque geste défensif, c'est extraordinaire. Oui, quoi. Et du stade, ça, joueurs, pas que du virage. Ça. Pas que du virage. Oui, du stade. Parce que les gens aiment aussi ça. Tu vois, quand Bokele tacle, quand Gregersen, magnifique le tacle de Gregersen en première mi-temps. Il y a deux, trois interventions de Gregersen, la grande classe quand même derrière, dans le duel, dans le combat. Et les gens aiment ça. Et cette équipe, elle a ça cette année, je trouve. Parce qu'on aime le beau jeu, on aime aussi, on est dur, public bordelais. Et regarde, Barbet, il fait une relance mauvaise à un moment donné, comme d'autres. Oui. Et il y a des sifflets qui tombent. Parce qu'on ne va pas se renier, on est comme ça. Bordeaux, pour moi, ça fait partie aussi de notre ADN. Mais les joueurs qui combattent, les joueurs qui sont là dans la grinta, dans la hargne, eh bien, on sait aussi reconnaître ça. Et cette année, je trouve que ça, on l'a. C'est très rare. On est passé au travers. Il y a des matchs où on est passé au travers, mais rarement et rarement à domicile. Franchement. Et surtout, on rebondit vite derrière. Quand on passe à côté d'un match derrière, le match d'après, généralement, on rebondit. Donc, c'est ça aussi qui montre qu'on a une certaine force collective, pas que les joueurs. Ça, c'est sûr. Conan, sur le chat, sur les enseignements, parce que je vois que tu affiches les messages qui nous permet de voir toutes les réactions de ceux qui nous regardent. Il faut savoir que c'est presque 2-3 000 messages par émission qui défilent, c'est assez important. Est-ce qu'il y en a que tu souhaites souligner ou des idées que tu souhaites relayer? Alors, ça a beaucoup parlé. Il y a eu d'ailleurs Alain Gély qui en a posé la question derrière en disant donc est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas fallu continuer sur ce fameux 4-4-2 comme à Valenciennes et avant que l'on avait eu, qui avait très bien fonctionné, ce qui nous a peut-être mis dans la difficulté. Il y a eu après beaucoup de félicitations sur certains joueurs sur leur performance, dont Zurico qui a été souligné pour ce match autant devant que défensivement, qui s'est bien donné. Donc sur le chat, après, sinon ils sont assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a une petite question de Pertonner pour toi, Nico, hors sujet du match, qui a été sais-tu déjà combien vous êtes au repas des sociaux? Ce qui n'a rien à voir avec le sujet. Oui, je le sais. Ouais, mais pour l'instant, bon, on devrait être une vingtaine, je pense. Ouais. Une vingtaine, peut-être plus. On verra. Il y a toujours des retardataires. Donc voilà. C'est intéressant. Et tu parlais du public. Et ce qui est nouveau aussi cette année, c'est que quand ils remercient, ils font le tour du stade. On l'a assez dit dans les émissions. Moi, j'en ai passé des émissions où j'ai répété que les joueurs n'allaient même plus saluer, très peu allaient saluer le virage, après ils sont allés saluer le virage, et qu'on a toujours connu à l'Escure le tour du stade, les joueurs qui remerciaient le stade en faisant le tour du stade après chaque match. Et ça, on le voit cette année, on ne l'avait plus vu depuis des lustres. Non, mais tu as raison, voilà. C'est parti. Donc ça, c'est important aussi. C'est remercier tout le public. Public global, bien sûr. Voilà, même si ton cœur du stade, il est au virage sud, et tout le monde... ça entraîne en fait les autres, bien sûr. Tout à fait. Et on était content d'avoir des réponses énormes du virage nord, par exemple, sur le Haut-Armes, et c'était intéressant justement. Donc on a besoin du stade dans son ensemble. Bien sûr. Et c'est important ce que tu dis, Nico, totalement. Donc voilà, mais c'est des choses qu'on ne voyait plus sur les échanges et le lien qu'il peut y avoir entre les joueurs et le public. Parce que finalement, les joueurs, à quelle occasion ils ont l'opportunité d'échanger avec le public?
aux entraînements ouverts une fois par semaine ou lors du match, eux, ouais, lorsqu'ils sont sur la pelouse et le public dans les tribunes ou alors dans leur vie perso, mais c'est pas pareil. Donc c'est vrai que c'est un moment important, le match. Quand tu as un but, quand tu sens qu'il y a un partage entre les supporters et les joueurs maintenant, notamment depuis le match de Bastia, où je trouve dès qu'il y a un but, tu vois très bien que les joueurs ils vont de suite vers le virage. Quand c'est côté virage, ils vont de suite vers le virage. Ils vont pas chercher ailleurs, ils vont de suite faire la fête avec les ultramarines. Et ouais, mais tu ressentais moins en début de saison, enfin, l'année dernière en tout cas, c'est oui. Sûr. Mais même là, depuis la début de saison, je le voyais pas de manière évidente. Là, maintenant, par contre, tu sens très bien que dès qu'il y a un but, ça va faire la fête avec les supporters. Il y a un partage à ce moment-là, du coup. Donc, tu vois que c'est aussi pour nous qui vont la mettre au fond. Tu as l'impression de temps en temps. Donc, voilà. Tu sens qu'il y a un truc très intéressant, en tout cas, qui se passe à domicile depuis que ce stade a été créé. Pour une fois, j'ai l'impression. Voilà. Allez, messieurs, je vous montre. Est-ce que vous voulez voir la compo de départ qui a été alignée? Et ouais. On a eu une discussion intéressante dans le débrief à chaud. Débrief. C'est finalement, même si on voit un 4-3-3 là, positionné comme ça, on ne joue plus en 4-3-3. Non, on est d'accord. Parce que alors, finalement, Franz Sergio, il prend un peu la place de Maja et Maja la place de Badji. Oui, en défense, notamment sur le 4-4-2. Il est en défense en 4-4-2 en fait. Mais Franz Sergio joue deuxième attaquant. Quasiment. Ouais, mais il joue où il veut, Franz Sergio, Nico. C'est ça le souci. Moi, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal en fait à. Moi, pour moi, je garde la dénomination de 4-3-3 parce que Franz Sergio n'a rien à voir avec un Badji, par exemple. Je suis désolé. C'est un profil. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ah non, ça n'a rien à voir. Et ça change tout au niveau de l'équipe. Ça change tout. Donc, Alain, la question qu'il pose, qui est très pertinente sur le 4-4-2, parce qu'on était très cohérents ces dernières semaines en 4-4-2. Et avec deux attaquants devant qui étaient complémentaires, qui trouvaient un peu plus de complémentarité, en tout cas avec Badji et Maja. Et ça, on l'a laissé un peu au placard pour ce match, de manière un peu surprenante. J'ai envie de dire, Guillaume, il est un peu illisible sur cette fin de championnat. Qui pouvait me dire qu'on allait repasser en 4-3-3 sur ce match? Enfin, je sais pas. Moi, je m'attendais à garder une dynamique d'effectif et d'équipe type. Je sais pas. Ben après, il faut voir aussi l'adversaire côté en face. Quelles sont les forces de l'adversaire? Mais c'est ce qui m'embête un peu, Joe, je trouve. Parce que on s'adapte beaucoup. Pas moi, justement. Non, parce que pour moi, le système est pratiquement le même. Ce qui change, c'est les choix d'hommes que tu fais. Eh bien, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est le but. C'est le but aussi. Oui, mais donc. Mais tu peux aussi faire ça pour t'adapter aux faiblesses aussi de ton adversaire. Tu sais que Franz Sergio, il va être électro libre. Il va être intéressant parce que son placement, à chaque fois, il vient faire chier les adversaires. Maja, excuse-moi, mais sur les matchs précédents, il est un peu électron libre aussi. Hein. De temps en temps, il venait chercher les ballons très très bien. Oui, mais ça, c'est son rôle. Ça, c'est son rôle. Mais c'est le rôle de Franz Sergio sur ce match-là, du coup. La plupart du temps. Non. Oui, mais il n'a pas le même rôle que Badji. Il n'embête pas la défense comme peut l'être Badji. Il a fait des appels. Il n'a pas fait que du négatif, Franz Sergio, je dis loin de là. Il est présent sur le premier but, d'ailleurs. Mais il remplace plus Maja, si tu veux. C'est ce qu'il essaye de dire dans le système. Oui, il a la place de Maja que quand Maja joue avec sa manière de faire. C'est que Mwanga remplace Franz Sergio, Franz Sergio remplace Maja et Maja remplace Badji pour moi, mais c'est exactement le même système. Le système ne change pas, c'est juste. Ça change considérablement le profil de l'équipe pour moi. Ça change considérablement. Et d'ailleurs, vu du stade, ça se voit clairement. Pourquoi? Parce que Franz Sergio n'a pas la même activité tout au long de la. Non, ça, d'accord. Mais est-ce qu'on a été moins solide? Non, mais justement, on a été solide une bonne partie du match. Mais la deuxième mi-temps est très compliquée. Moi, qu'on vienne pas me raconter des salades. Mais tu penses que c'est une histoire de système, toi? Non, mais alors, moi, je te dis clairement, on marque le but dans les 20 premières minutes. Oui. On est d'accord? Ou qui sont plutôt bien. On est solide. Franz Sergio fait ce que tu dis. C'est vrai, il fait des appels. Il peut gêner la défense. Il distribue bien sur le premier but. Le match, faisant qu'il avance dans le match, on n'a pas une grande créativité de nos deux excentrés. Les latéraux sont plutôt très faibles dans ce match. Ça, c'est une vérité. Je suis désolé. Et donc, les profils des joueurs étant ce qu'ils sont, eh bien, en deuxième mi-temps, on est très, très en dedans. Très en dedans. Et quand on va nous mettre en difficulté pendant 25 minutes, on est plutôt, pour moi, en réussite de ne pas prendre un but. Et il n'y a pas de changement, d'ailleurs, de l'entraîneur. Moi, ce qui m'embête clairement. Et donc, on est dans un système qui est assez sécuritaire, 4-3-3, c'est pour ça que j'appelle un peu plus comme ça, avec Franz Sergio, qui va pas non plus aller comme un Badji dans les mêmes postes et qui va pas autant combiner dans le haut du terrain, parce que le match avançant, il est pas toujours à cette position-là, regardez bien où se trouve Franz Sergio, plus le match avance, et c'est pas toujours si facile que ça. Donc ce système, pour moi,
bien qu'il ressemble à la même chose, le profil de Franz Sargeau n'a rien à voir avec celui de Badji. Donc pour l'adversaire, ce n'est totalement différent à défendre par rapport à nous, je pense. Et on n'impose pas les mêmes choses. Laurent, qu'est-ce que tu en penses de ça, du système qui a changé, alors, mais finalement qui n'a pas changé? C'est le changement de profil de joueur, nous dit Joe, qui change un peu le jeu de l'équipe. La physionomie et le jeu de l'équipe. Et Gino dit que ça change complètement. Vous dites la même chose, en fait, Gino et Joe. Pas tout à fait. Moi, j'ai une autre vision, c'est que sur ce match, je n'ai pas du tout compris l'équipe de départ de Guillaume. Je ne comprends pas pourquoi il change ce qui marchait le week-end d'avant et où il y avait quand même un peu plus de rythme, d'envie. Et je pense, alors il y a plein de critères que j'ai ressentis sur ce match. Il y avait de la gestion d'un côté, mais il y avait de la peur de l'autre de prendre un but. Il y avait de la nonchalance de certains joueurs qui est récurrente. Et je peux lier ce que disent Joe et Gino. Est-ce que Franz Sargeau, on sait très bien qu'il n'est pas capable, il fait des belles choses, il donne des bons ballons par moment et tout ça, mais il ne dure pas dans le temps et dans le match. D'ailleurs, après, il fait la gueule quand il sort. Bon, ça. Mais est-ce que ça, et David Tachvili qui court dans tous les sens du côté droit, est-ce que ce n'est pas parce que, justement, je ne reconnais pas Bakwa le match d'avant quand il est rentré et sa manière de jouer, et là, sa manière de jouer contre Caen. Donc, il revient titulaire, Bakwa, pour montrer quoi? Être en dessous du match d'avant. Donc, je pense que quand il y a des manques comme ça de certains joueurs, la nonchalance ou, je ne sais pas, en fait, la fatigue, on peut appeler ça ce qu'on veut, enfin, il y a plusieurs critères. Est-ce que c'est justement ça désorganise pas ce qui est mis en place au départ par rapport à des postes, que ça soit un 4-3-3, un 4-4-2, puisque Badji n'était pas avec Maja. On sait très bien que ce qui a marché la fois d'avant, c'était avec Badji en pointe, qui pesait sur la défense physiquement déjà, même si voilà, en finition et tout ça, il est loin d'être un vrai numéro 9 pour moi. Mais ça marchait avec Maja derrière, et qui joue dos au but souvent et qui donne des très bons ballons et qui revient défendre et tout ça. Mais et avec Pitou et David Tachvili sur les côtés, moi j'ai trouvé le match d'avant meilleur de la part du collectif et de l'équipe que celui contre Caen. Du coup, c'est Joe, mon avis. Ouais, non, mais c'est intéressant, Laurent. Offensivement déjà, hein, offensivement. Oui, mais totalement, c'est... Laurent, je suis d'accord avec toi. On est très pauvre sur ce match. Et pourquoi Guillaume change ça? Pourquoi Guillaume change ça? Je vais demander à Joe, tu dis, Laurent, les individualités modifient l'animation et le système, même s'ils semblent similaires, ça le modifie. Et l'engagement de certaines et des joueurs. Oui, les individualités, voilà. La performance des individualités modifie l'animation du système et du jeu. Joe, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce débat sur le système qui est différent par rapport à ce qu'a dit Gino? Tu dis qu'il y a une différence entre ce que pense Gino et toi. C'est allé à quel niveau? Mais moi, je me rappelle, ce qu'on reprochait à Guillaume des parents, c'est qu'on était trop prévisible. Donc, mais moi, quand je vois les 20 premières minutes, ben, on est au-dessus de Caen. Après, ce qui fait que c'est pas Guillaume qui dit on arrête de jouer. Hein. C'est les joueurs, dès qu'ils ont pris l'avantage, tu sens que ça recule, on redescend d'un cran. Et là, tu vois très bien qu'effectivement, les joueurs se crispent un petit peu. Ça se, voilà, donc, les changements, ils arrivent quand même pas trop tard dans mes souvenirs. 60e. Mais voilà, comme le match de Valenciennes, hein, je serais bien. Ouais, alors Joe, ouais, je suis d'accord avec toi sur le début, je suis d'accord. Il tente quelque chose, il met quelque chose en place, ça se passe bien au début. Mmh. Il n'est pas à la place des joueurs, il ne peut pas prendre la place des 11 joueurs et du collectif. Bien qu'en plus, il leur demande de remonter à certains moments. Oui. Et je l'ai dit, hein, il faut être honnête avec David Guillon. Il reprend mon gars plusieurs fois. Voilà, il essaye d'influer sur son équipe parce qu'il ne la trouve pas bien en place et pas à l'aise. Je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, il voit bien. En deuxième mi-temps, dans le premier quart d'heure, que ça se passe pas très bien du tout. D'où les changements de jeu. Mais tu dis que tu vas pas le faire Alors, qu'est-ce qu'il fait comme changement? Soyons clairs. Il remplace Lacou par Ignatenko. Même profil à peu près. On est d'accord ou pas? Mais est-ce que tu vois Lacou et Mwanga visible depuis 40 minutes? Mais c'est bien ce qu'il fait. Je suis d'accord avec toi. Mais il ne change pas fondamentalement son équipe. Quand je te dis ça, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à reprendre la supériorité sur l'adversaire.
Et moi, sur ça, Guillaume, il me fait peur. Autant que je suis d'accord. T'es pas obligé de l'équipe pour prendre la supériorité, Dino. Mais c'est important, Jo, à ce moment. Mais t'es dans un moment du match tendu ou quand prend le dessus. Je te le dis clairement vu du stade. Et Guillaume, au lieu d'avoir un profil différent, de reprendre la main, notamment au milieu de terrain, je trouve qu'il est dans une continuité d'équipe sécuritaire. Mais t'aurais fait quoi, Gino, alors, du coup ? Non, mais t'aurais fait quoi, Gino, alors ? À moi, je vais te dire clairement. Oui, voilà. J'aurais changé Lacou. Lacou, je suis d'accord avec toi, il sort. Mais peut-être à la mi-temps, il sort, Lacou. Parce qu'il n'est pas bon du tout, Tom Lacou. Il est à la rue dans ce match. D'accord. Il est à la rue. Et moi, Lacou, je l'aime bien. Mais non, mais sur le match, il ne me plaît pas. Physiquement, il est peut-être diminué, mais il n'y est pas. Il fait lourd, je ne sais pas. Et quand il n'a pas son impact physique, Tom Lacou, et que techniquement, il est pas bon sur ce match, il est un handicap pour l'équipe. C'est ce qui se passe dans le match. Donc Lacou, il sort et on met un profil plus technique au milieu de terrain pour reprendre le dessus sur Caen. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est t'as pas l'impression qu'on s'est fait manger physiquement, toi. T'as pas l'impression que physiquement, Caen était au-dessus. Eh bien, justement, si tu mets un joueur qui est plus et va t'amener un peu de vivacité, de technique au milieu de terrain. Est-ce que ça va pas t'aider dans le milieu à trois que tu as ? Moi, je pense que ça au milieu des techniques. Ah ben moi, je te dis clairement, moi un match comme ça, je pense qu'on peut rester avec Mwanga au milieu de terrain qui a quand même de l'abattage physique. Mwanga, tu peux garder Franck Sergio, moi ça me dérange pas. Mais pourquoi ne pas faire entrer un jeune comme Pierre Engel ? C'était une très bonne occasion de le voir, je pense. Pour amener du jeu vers l'avant. Vers l'avant. Tu avais Pitou à ce poste-là. Pitou qui t'a fait pas mal de bien les 20 dernières minutes, techniquement, parce que lui est capable de conserver le ballon. Regardez bien, il est capable de donner, avec les relations techniques qu'il a avec ses partenaires, et on l'a vu très tard. On l'a vu à 20 minutes de la fin, Pitou. Il n'est pas capable dans le cœur du jeu. Il n'est pas capable dans le cœur du jeu, Pitou, de nous aider. Donc moi, sur ça, Guillaume, je m'interroge, et autant j'aime beaucoup de choses de lui de cette année, mais ça, c'est des matchs cruciaux pour aussi pour la suite si on monte en Ligue 1. Et il faut s'adapter, il faut essayer de reprendre le dessus sur l'adversaire. On n'essaye pas de reprendre le dessus sur Caen. Et c'est que Caen qui n'a pas un gros objectif. Moi, ça m'embête. Mais Joe, attends, juste un instant. Pardon. Excuse-moi, juste un instant. Je veux que Joe réponde et je le relance en rajoutant une chose. C'est Joe, est-ce que tu ne crois pas que cette composition d'équipe, déjà sans Badji avec Franck Sergio, donc tu enlèves un attaquant, tu mets un joueur un peu plus défensif, ça n'envoyait pas un message de prudence de la part du coach à son équipe, et du coup, tu n'es pas sur, comme le dit Gino, la volonté d'aller chercher, comme les deux derniers matchs, d'aller chercher du jeu et d'aller t'imposer. Tu savais déjà que rien qu'en regardant cette compo, tu étais un peu sur le reculard, tu étais prudent. Tu vois, tu n'étais pas en conquérant. Ça rejoint un peu ce que dit Gino. Qu'est-ce que tu en penses ? Pas dans l'entame. Quand tu vois le premier quart d'heure jusqu'au but, je suis désolé, mais moi j'ai l'impression qu'on a quand même la maîtrise et qu'on est au-dessus des canets. C'est juste après, c'est la physionomie du match qui fait que comme tu marques tôt, c'est ce qui fait que tu sais que oulala, attention, ça nous est déjà arrivé de marquer tôt, on n'a pas réussi à tenir un score. Psychologiquement, tu as un truc qui se joue après pour les joueurs. Effectivement, tu as le coach qui doit faire quelque chose, il tente quelque chose. Gino, lui, te dit on va sortir un mec défensif pour faire entrer un mec qui est plus offensif. Moi, je suis désolé. Moi, quand je vois la physionomie du match, quand je vois physiquement comment on souffre, peut-être que c'est aussi le fait que le match soit à 15h. Je ne sais pas aussi qui faisait lourd aussi. Ça jouait. Peut-être qu'on ça a subi ça aussi. Parce que tu le sentais que le match, même les deux équipes, c'était compliqué. Pour les deux. Tout à fait. Mais tu sentais que quand on jouait beaucoup plus libéré, nous, on avait un frein à main, on avait quelque chose qui ne collait pas dans le jeu. Je suis désolé, mais tu voyais très bien que psychologiquement, mentalement, pour moi, la tension, on l'a senti sur ce match-là. C'est l'approche aussi de fin de saison qui fait que... Rappelle-toi le titre en 2009, le match qu'on fait contre Monaco à l'avant de la journée où on gagne 1-0. Oui. Monaco marque un but qui est hors jeu, etc. Et tout. Tu sens très bien le poids que tu as sur les épaules à ce moment-là. Et c'est là que, là, pour moi, où Guillaume a le travail qu'il doit faire en priorité, c'est justement faire attention à ce que le joueur ne ressente pas trop de poids sur les épaules pendant les matchs et à l'entame du match. L'entame du match, pour moi, il est bon. Les choix, ils ne sont pas mauvais. Ça me surprend, mais ils ne sont pas mauvais. On lui reprochait souvent de pas que, ouais, qu'on soit trop prévisible, etc. Et tout. Là, effectivement, il fait quelques changements. Mwanga, je pense qu'il aurait dû apporter beaucoup plus sur ce match-là. Mwanga, il est transparent. Au bout de 20 minutes de jeu, dès qu'on marque le but, le milieu, il disparaît. Que ce soit Mwanga ou Lacou, les deux disparaissent. La problématique et la faiblesse, elles viennent de là. Et je comprends pourquoi il veut renforcer son milieu. Si tu fais sortir Lacou pour faire entrer Pitou, pour mettre Franck Sergio plus bas, mais là, pour moi, tu t'ouvres. Franck Sergio, tu sais très bien la capacité qu'il a à défendre. Sur un match comme ça, tu ne peux pas te permettre ça pour moi. T'es obligé de te renforcer et de te protéger au maximum, malheureusement. Et je comprends, entre guillemets, parfois la frilosité de Guillaume. Je sais que tout le monde voudrait que ça joue.
On se dit qu'à chaque fois, si on subit, mais il faut reprendre le ballon, il faut reprendre le jeu. Et parfois, sur certains matchs, tu n'as pas les moyens de reprendre le ballon, tu n'as pas les moyens de reprendre le jeu. Sur ce match-là, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la capacité. Et je pense que moi, c'était par rapport, effectivement, au poids qu'il y avait. Moi, j'ai ressenti vraiment ça. C'est le vrai ressenti que j'ai eu de ce match, c'est que la tension de la fin de saison, elle était là. Je ne l'ai pas ressenti contre Grenoble, pas contre Valenciennes, en tout cas moins. Là, je l'ai senti. Et là, tu vois que la préhension du match, elle est différente parce que si, entre guillemets, tu commences à vouloir jouer, à t'ouvrir, à peut-être à libérer des espaces, là, tu peux te mettre en danger. Laurent, tu voulais prendre la parole ? C'est pour là-dessus ça que et après, on change de thème. Oui. C'est pour ça que j'ai dit en début d'émission qu'il y avait une force mentale collective qui avait augmenté un peu, mais qui reste fragile. Et peut-être qu'il y en a qui voient que certains ne font pas les efforts avec ou n'en font pas suffisamment et c'est pour ça que ça joue dans plein de domaines. Et peut-être que aussi physiquement, ils sont un petit peu limités ou fatigués, comme Manga, vous parlez de Manga. Voilà. Après, pour revenir et rebondir sur ce que disait Gino tout à l'heure, je le rejoins parce que je pense que Guillaume, à mon avis, je ne sais pas si tu es d'accord, Joe, c'est que vu qu'on était en train de se faire de perdre la maîtrise du jeu à un moment, on aurait pu même prendre un but, hein, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de camp. Mais je pense que Guillaume, on sait très bien que c'est un gars qui ne va pas jouer l'attaque et une équipe super offensive. Ça, on le sait. Ce n'est pas son style. Ben, lui, Laurent, pour être franc, il avait montré quand même des meilleures dispositions ces dernières semaines. C'est ça ce qui est plutôt étonnant. Je suis d'accord. Et c'est là, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'il casse quelque chose. Comment voulez-vous qu'il mette en confiance certains joueurs ? Non, par contre, il n'a pas cassé quelque chose. Il a juste apporté quelques modifications. Il n'a pas une petite dynamique qui était meilleure. Ça, c'est les deux derniers matchs. Ah ben oui, mais c'est non, mais comment cassé, tu veux... c'est pas lui qui a cassé la dynamique. Non, cassé, ébréché. Faut pas exagérer non plus. Ébréché, tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, il a rien cassé. Non, mais je sais pas si tu comprends. Peut-être que je m'exprime mal. Non, on voilà. Comprend. Comment, avec les changements et ce qu'a dit Gino tout à l'heure, comment on peut insuffler un vent positif et quelque chose pour aider justement en disant « Oh les gars, vous avez un coup de moins bien, je suis là moi. Et on va s'y mettre ensemble et on va trouver ce qu'il faut pour régler ça. » Avec des changements, avec… Il a essayé. Et je rejoins Gino. Il a essayé, mais ça n'a peut-être pas été le bon après. Mais moi, je rejoins Gino dans le sens où… Où il fallait un Pitou, un Perenguel, un Feu Follet, un mec technique un peu plus, en milieu derrière Maja, pour influer, pousser, et revenir aussi, bien sûr, défendre de temps en temps, mais pousser, et peut-être que Bakwa et tout ça, ce serait Mickey, hein, mais ça, okay. Là, il faut qu'on pousse ensemble, et voilà. Alors après, tout est lié, le mental, le physique, la maîtrise technique, enfin voilà. Et c'est là où on est encore fragile. Et je redis et je dis et je redis que tout est positif et sur la bonne voie. Mais même si on remonte en Ligue 1, tout n'aura pas été bien. Et il y aura. Et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Conan, merci Laurent. Conan, des réactions sur le chat. Je vois que ça réagit là. J'essaie de lire tous vos messages. Qu'est-ce que tu souhaites relayer comme réaction ? Bon, on dirait qu'il y en a. C'était partagé. Il y en avait plusieurs qui étaient d'accord avec Gino. Il y en avait d'autres qui étaient contre. Certains se sont posé la question du fait de jouer à 15h, qu'est-ce que ça change ? Ils sont pas tous d'accord. Il y en a beaucoup qui remettent la faute sur le fait que Bordeaux a surtout rejoué à nouveau un jeu et Guillon a peut-être donné les consignes, comme on jouait il y a quelques matchs de ça, de ne pas tuer les matchs, on marque un but, on se relâche derrière. C'est surtout ce qui a été vu et ressenti par plusieurs personnes. D'accord. Maintenant, sur l'histoire de Franck Sergio, en électron libre, beaucoup disent que Badji n'a pas joué parce que, comme a dit Guillaume, il était malade ou blessé dans la semaine, il n'a pas beaucoup joué, il n'aurait pas tenu le match. Raison ou pas, on verra. Mais le problème de
là c'est mon avis personnel, le problème de Franz Sergio en électron libre, c'est qu'il n'a pas joué électron libre. Puisqu'on a déjà, on a déjà deux joueurs qui font ça en fait sur le terrain, qui ne sont pas tout le temps alignés ensemble, mais qui sont des vrais électrons libres, qui des fois se contentent qu'à une zone, mais qui dézonent aussi facilement. C'est Zurico et... Bakwa. Et Bakwa. Moi, je ne trouve pas qu'il soit électron libre, Zurico et Bakwa. Bakwa, ça fait longtemps qu'il n'est plus. Hein. Bakwa, il a un peu relâché le truc, mais Zurico, ah, je suis désolé. Zurico, il est à droite, il est à gauche. Oui. Il fait des percées, il rentre à l'intérieur, il s'écarte sur les ailes pour amener... Zurico, c'est un vrai électron libre dans notre équipe. Et Franz Sergio, en faisant ça, il déstabilise pour moi l'équipe au milieu de terrain, en fait. Parce qu'il offre aussi, certes, des possibilités d'électron libre devant, mais par contre, défensivement, au niveau du milieu, ça passe beaucoup plus facilement. Alors que déjà qu'on n'a pas un milieu des plus étoffants, ça pourrait, ça, il faudrait qu'il se cantonne des fois à plus défendre et maintenir son poste. Eh bien, merci Conan. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Guillon avant que on parte sur un autre sujet? Non, après moi je... Gino, bon, autre chose que vous n'ayez pas dit? Moi, j'ai dit juste après un truc, c'est que la différence aussi par rapport aux deux matchs précédents, c'est que Maja, il a marqué, là, il n'a pas marqué, alors pourtant, il avait l'occasion de tuer le match aussi, donc ça aurait pu changer beaucoup la physionomie du match, tout simplement. Ouais. Et il faut juste aussi se dire qu'on ne va pas gagner tout le match 3-0, 2-0 en maîtrisant tout, surtout là, à l'heure actuelle, en fin de saison, avec des matchs en jeu. Tu ne vas pas tout maîtriser de toute façon. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il devient un peu plus frileux, notre ami Guillon. Même si je n'ai pas la sensation qu'on était plus frileux, je pense juste qu'il y a eu des choix d'hommes qui ont été faits par rapport à l'adversaire, parce que Caen n'est pas Grenoble ni Valenciennes. Voilà. Et je comprends un petit peu cette idée qu'il faut qu'on joue comme on l'a fait contre Grenoble. Contre Valenciennes, on n'a pas non plus fait un match exceptionnel, dans mes souvenirs. C'est juste que... Et la différence s'est faite très tard dans le match. C'est peut-être ce qui fait qu'on a moins cette sensation de moins maîtriser, etc. Et tout. Là, c'est parce qu'on a marqué très tôt dans le match et qu'on n'a pas fait la différence après derrière. Et que du coup, on se dit, oulala, on tombe un peu dans nos vœux travers. Moi, je ne trouve pas, parce que pour moi, on n'a pas été trop mis en danger par Caen derrière. On aussi a plus d'occasions. Hein. Joe, mais... sur les matchs, on a beaucoup plus d'occasions. Hein. Bien sûr, non, mais bien sûr. Mais la physionomie du match fait que aussi. Grenoble, tu les assommes direct. Et Valenciennes, ils subissent tout le temps, tout le temps. Ils n'ont pas les moyens d'attaquer Valenciennes, tu le vois. Caen, ils ont les moyens d'attaquer, ils ont les moyens de te résister, ils ont les moyens de bien défendre, ils ont les moyens de te faire du mal au milieu. C'est ça aussi qui fait que peut-être que le match, vous l'avez senti de manière un peu plus frileuse. Mais je comprends, moi, Guillaume, par rapport à ça, c'est que quand c'est pas Grenoble, c'est pas Valenciennes, notamment dans le cœur du jeu. Et Maja, s'il met le deuxième. Et Maja, s'il marque. On passe. Eh bien. L'histoire. Moi, je te dis pareil. Hein. Moi, je te dis pareil. Sur les 25 minutes de la deuxième mi-temps, je te fais la même analyse. Hein. Il y aurait eu 2-0, je t'aurais dit la même chose. Oui, mais franchement. Parce que je me dis que c'est prendre quand même des risques et pas influer foncièrement sur le cours de la partie, je trouve. Mais bon. Messieurs, on a parlé de la nouvelle organisation. Gino, tu as dit dans tes enseignements qu'on avait souffert. Joe, tu as parlé de petite alerte, ça tremble. Est-ce que les Girondins, on a vu dans ce match qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, techniquement, on ne fait pas un bon match. Quand on le voit à l'œil nu en regardant le match, mais on le voit dans les stats aussi, on ne fait pas un bon match. Joe, Nico, en pourcentage de passes réussies, c'est très faible. 15 tirs pour Caen, 4 pour Bordeaux. Oui, mais c'est surtout les passes réussies. On réussit quasi 2 transversales sur 9 tentées. C'est vraiment, techniquement, c'est très pauvre. Donc moi, je vous le dis, messieurs, je vous pose la question. Est-ce que les Girondins, ils peuvent tenir ce rythme-là des 4 derniers matchs uniquement avec l'énergie, la combativité et le mental, sans y mettre un peu de technique, un peu de qualité collective? Est-ce qu'on peut aller au bout avec seulement l'énergie et le mental? Qu'est-ce que vous en pensez, Gino? Je commence par toi. Est-ce qu'on peut tenir comme ça? Oui, ça à l'énergie ou au mental? Parce ça va être rude, parce qu'il y a 4 matchs et c'est quand même 4 batailles encore à livrer. Ils nous ont donné des signaux très positifs, ça il est vrai. Et puis finir ces matchs comme ça, même si c'est dans la douleur, c'est des sacrifices, même à la fin, pour tenir mentalement, ça peut aider le groupe. Et c'est quelque chose qu'ils nous ont montré tout au long de l'année, d'avoir des moments où ils n'étaient pas foncièrement beaux à avoir joué, on l'a dit, par les schémas et autres. Mais dans l'adversité, dans le combat, ils étaient vraiment présents. Donc moi, je me dis que certains, notamment cadres, ont encore de la fraîcheur mentale en plus pour influer positivement sur le groupe. Et je pense que oui, on peut tenir comme ça. Mais ça va être ça peut être très compliqué aussi. Si on n'a que ça, je pense qu'on pourrait être mis en danger. C'est ça qui me fait peur. Je pense que si on est que sur l'énergie et le mental, et qu'on n'est plus sur ce qu'on amène dans notre plan de jeu,
je pense qu'on peut être en difficulté. Et c'est pour ça que moi, je lançais un petit signal d'alerte par rapport à ce match de Caen. Joe. J'ai envie de te dire, il n'y a pas que le mental et l'énergie qui vont compter, mais pour moi, c'est les deux choses prépondérantes à ce niveau-là de la compétition. J'ai parlé dans mes enseignements de notre force. Pour moi, c'est la solidité et l'organisation. La solidité de notre organisation. Défensivement, si tu ne fais pas d'erreur, tu ne prends pas de but avec cette équipe-là. À l'heure actuelle, tu ne prends pas de but si tu ne commets pas d'erreur. Donc maintenant, la touche technique, elle doit être devant. Tout simplement. La différence, on a des joueurs qui sont capables de la faire derrière. Donc, tout ce qui va être composition d'équipe, tactique, etc. Et tout, oui, ça va être des bases importantes. Mais si tu n'as pas le mental et l'énergie pour tenir le choc face à l'importance de cette fin de saison, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Pour moi, l'alerte, elle a été vraiment là. Elle était vraiment dans l'aspect mental et psychologique. Plus que l'organisation. Voilà. Parce que l'organisation, pour moi, on l'a. Défensivement, si on a cette solidité-là et qu'on ne fait pas d'erreur, on n'est pas franchement mis en danger. Tu vois. J'en sais, Dino parlait de 17 tirs, c'est ça, enfin, vous avez parlé de 17 tirs, je crois, pour Caen. Il y en a 15, eu 2, 4. 15 et 15, 4 pour Bordeaux. Et 2 cadrés pour Caen. Oui, oui, totalement. 2 cadrés. Mais bon. Tu peux frapper, tu peux faire 20 frappes si tu veux, mais si les frappes, elles partent. C'est ce que je veux dire. Mais nous, on n'en a que 4, Joe. 4 sur toute une partie. C'est ouais, pas énorme à domicile. Oui, toi, mais tu mets le but. Tu mets le but. Oui, t'es efficace. T'es dans l'efficacité. Voilà. C'est ce que tu dis. Et très sincèrement, mais voilà, pour moi, c'était l'essentiel. C'était l'essentiel. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est plus effectivement la charge, la tension de l'événement qui a fait que l'équipe a un petit peu déjoué plus qu'autre chose, plus que l'organisation, tout ce que tu veux, etc. C'est là qu'il va falloir être très bon et que le staff va devoir être très très bon pour décharger un petit peu les joueurs de cette tension-là, leur dire oui, c'est important, oui, il y a un bel objectif, il y a possible une belle fête qui nous attend, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas se planter. Voilà. Et surtout. Ouais, mais ils ont montré quand même comment. Parce que tu penses que le déchet technique, il est dû à une défaillance un peu mentale. D'accord. Oui, pour moi, oui. Avec le ballon, tu sentais très bien que ça tremble un petit peu, notamment pour la moitié des joueurs. Mwanga, avec le ballon, plus le match avancé, plus je sentais dans la difficulté. Bokele, j'en parle même pas, plus ça va. Et plus là, la fin de saison approche, et plus je le sens très, très. Enfin, je le sens en difficulté avec le ballon. Majar est toujours bien à jouer avec le ballon. Bakwa arrive toujours à garder le ballon quand il faut aussi un petit peu devant. Zurico, on sait que c'est un factory, c'est beaucoup de déchets. Par contre, quand ça va passer, ben, ça va faire mal. Et après, t'as un joueur comme Franck Sergio qui, pour moi, n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Voilà, mais dans le système, ben, il t'apporte toujours ce petit truc qui fait que voilà, il va un peu gêner l'adversaire, etc. Et tout. Mais pour moi, il te manque encore quelqu'un au milieu capable effectivement d'apporter vraiment une maîtrise technique. Oui, c'est une base technique importante pour ça. Voilà. Et est-ce qu'on peut mettre en relation ce déchet technique à l'absence de Pitou qui apportait quand même beaucoup plus de maîtrise sur le plan technique? Sur le dernier match contre Valenciennes, je ne l'ai pas trouvé transcendant. Donc, il était moins bien. Oui, voilà, vrai. Je pense que c'est. Bon. Après, je pense que là où on a pêché, comme j'ai dit aussi, c'est mentalement et aussi physiquement. Quand on était par rapport à Grenoble et Valenciennes, on s'est fait plus rentrer dedans aussi. Donc l'équipe venait nous chercher. Ils nous craignaient moins. Grenoble, c'est une équipe qui ne sait que défendre, qui ne sait pas attaquer. Et Valenciennes, vu l'enjeu qu'ils ont, pareil, ils n'ont pas trop cherché, surtout que leur attaquant Garbic était absent. Ils ont pas trop cherché, ils nous ont pas trop cherché haut, donc on avait le temps de faire des passes depuis derrière, etc. Tout, de faire tourner et tout. Là, on l'avait moins aussi. Hein. Parce qu'ils voulaient nous chercher. Hein. Laurent, ton avis là-dessus sur le mental, t'en as parlé dans tes enseignements aussi. T'as dit quand même qu'il y avait une force collective, solidité défensive. Mais. Ouais, mais j'avais dit que le mental, la hausse du mental collectif avait grimpé un peu, avait haussé d'un niveau, mais ça peut rester fragile. Je rejoins Gino, si ça tient jusqu'au bout, ça va être très dur. Mais et là où je rejoins Joe aussi, c'est que ben, vu comme on est à l'heure actuelle, si on ne fait pas d'erreur, apparemment, on ne peut pas encaisser de but parce que ben, nos adversaires, excusez-moi, mais on n'est pas à l'abri de rien, hein, d'une erreur d'arbitrage, d'une erreur d'un joueur de notre part. Mais ils sont pas, c'est pas des foot de guerre non plus, parce que justement, quand ils tirent 15 fois au but et qu'il y en a 2 ou 3 cadrés, voilà. Mais je pense qu'il faudra faire un peu plus, parce que, attention, sur les 4 matchs, il ne faut pas qu'il y ait un blessé dans notre défense, qu'il soit central ou latéral, surtout central,
Et il faudrait pas que qu'on se fasse griller sur un truc comme ça. Je dis pas, après on peut bricoler encore avec manga, tout ça, mais bon, il y aura des manques et j'espère qu'on va finir la saison, entre guillemets, complet, quoi. Et surtout, et le mental, bien sûr, pour moi, ça suffira pas. Il va falloir sur au moins 2 matchs sur 4, il va falloir qu'on, si on fait les 2 prochains matchs, en élevant le ton, aussi bien mental que avec la maîtrise technique Bien et sûr. assurer un peu plus de passes et aller un peu plus de l'avant et surtout finaliser des actions qui sont magnifiques où ça veut dire qu'on est capable de créer quelque chose et c'est surtout dans la finition où on pêche. Après les deux derniers, je pense qu'on peut y aller tranquille, quoi. Mais bon, OK. avec des si, voilà. Coupe du bois. Allez, messieurs, vous en avez tous parlé dans votre dans vos enseignements, c'est la solidité défensive. On a un peu, on est obligé d'évoquer cette question et c'est normal qu'on l'évoque parce que la paire Barbé-Gregersen, Barbersen, comme dit Philippe Tchimendi, est exceptionnelle avec ce qu'elle fait chaque week-end avec les Girondins. Est-ce que vous pensez qu'elle est, c'est au niveau Ligue 1 alors c'est un atout, tu l'as dit Gino, c'est un atout. Notre atout Considérable, bien principal. sûr. Est-ce que tu penses que c'est niveau Ligue 1, ces deux joueurs? Bon, en tout cas, cette saison, c'est le top de la Ligue 2, c'est la meilleure paire pour moi, clairement. Et c'est très complémentaire, avec des caractéristiques différentes. Sur la Ligue 1, c'est un autre championnat qui va beaucoup plus vite aussi, qui pourront te poser beaucoup plus de problèmes, c'est sûr, avec des équipes qui attaquent beaucoup plus et beaucoup mieux, comme disait Laurent, avec des adversaires qui, là, cadrent leur tir et sont avec des caractéristiques techniques bien élevées, bien plus élevées. Donc c'est là où on peut, sur la jauge, moi j'aurais tendance à dire oui, pour la Ligue 1, cette paire, elle peut tenir la route. Et surtout si tu as l'objectif sur une première saison de te maintenir, si jamais par cas on avait la chance d'accéder à la Ligue 1 et d'avoir un projet où ton club, eh ben, il joue peut-être pas les premiers rôles du championnat, loin s'en faut, mais il est là pour faire un bon championnat et pour maintenir ton club, le remettre à ce niveau de À flot. compétition qu'est la Ligue 1. Exactement. Donc cette paire, si elle garde ce niveau qu'elle a en Ligue 2, qui est quand même super, avec cette cohésion en plus, parce que tu vois que les mecs aiment jouer ensemble, il y a des affinités, et dans une équipe, des affinités, on le sait très bien chez nous, c'est très bien qu'il y en ait, parce qu'on avait des mecs, à mon avis, qui se connaissaient très peu ou pas du tout à certaines époques. Donc avoir Barbé-Gregersen, qui aiment jouer ensemble, qui sont complémentaires et qui ont ce niveau, ben moi je signe de suite pour les avoir en Ligue 1 l'an prochain avec nous si on monte. C'est dit Barbé, 4 buts, 2 passes décisives. Gregersen n'a pas Ouais. encore ouvert son compteur stat. Joe. Oui, monsieur Philippe, attends. Peu importe Ligue 1, Ligue 2, l'an prochain, si tu dois faire un projet sportif avec une équipe cohérente, tu te bases au départ sur cette défense-là. Pour moi, ces deux-là, Ligue 1, Ligue 2, peu importe. Hein, c'est une base très solide, très sûre, les mecs se connaissent, ils ont montré qu'à eux deux, ils sont capables voilà, de tenir la baraque. Donc pour moi, ça va être l'une des bases essentielles de la saison prochaine. Maintenant, il y a juste un bémol que je mettrais, moi, c'est. Pour moi, Gregersen, il a le niveau, c'est un joueur international, il a déjà joué à des matchs de Coupe d'Europe, etc. Tout, il n'y a aucun problème. Barbé, j'attends de voir en Ligue 1 ce que ça va donner. Et Barbé a tendance parfois à avoir quelques manques. Là, on l'a vu contre K, à un moment donné, il s'est fait griller sur son côté. C'est la seule fois où il se fait griller. Mais ça amène une occasion très dangereuse où Gregersen la sauve en faisant son tacle un petit peu à la désespérée. Mais en tout cas, on tient le coup grâce à ça. Mais voilà, j'ai un peu plus de doutes sur Barbé que sur Gregersen, on va dire. Ah bon? Maintenant, les deux, pour moi, je pense que l'an prochain, il faut garder cette base-là, quoi qu'il arrive. Je crois qu'il n'est pas prévu que ça change. Hein. De Ça toute serait façon. étonnant, on va dire ça serait étonnant. Ça serait bien. Et puis, on parle des deux, mais les deux qu'on a derrière, ça serait une bonne idée aussi de les conserver dans l'axe. Hein. Parce que tu as quand même quatre défenseurs, à mon avis, hein, à mon sens, qui peuvent faire largement l'affaire avec deux plus expérimentés et deux jeunes derrière. Donc, t'as, vraiment sur le papier, c'est super pour monter en Ligue 1, selon moi.
Tu parles de Mwanga et de Bokele qui peuvent dépanner. Mais bien sûr. Mais bien sûr, tu les as déjà. Tu les as déjà qui peuvent être derrière. Et qui peuvent t'amener aussi leur fraîcheur, leur jeunesse, leur talent à un certain niveau de compétition. Franchement, hein, si on ne prend pas conscience de ce qu'on a, là, je ne sais pas où on habite au niveau sportif. Hein. Après, oui, Conan, après, vas-y. Même si ce n'est pas dans l'axe, c'est... C'est au niveau de nos défenseurs sur les latérales. Ça dit que qu'il nous faudrait quand même, pour la Ligue 1, un arrière droit qui soit quand même un peu plus expérimenté. Et il y en a beaucoup qui se posent la question sur Nsimba physiquement, avec les problèmes là qu'il rencontre. Est-ce que ça pourrait suffire ou est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir? Pour la Ligue 1 ou là, pour la fin de saison, ça parlait pour la Ligue 1. Pour la fin de saison, déjà, ça parlait en espérant qu'il soit là pour les derniers matchs. Mais il disait pour la Ligue 1, vu qu'on parlait de Ligue 1 avec Barbé et Grigasen, il disait Nsimba, est-ce que ça tiendra aussi, quoi? Ouais, Nsimba, ce qui a inquiété, c'est qu'il a déclaré en zone mixte qu'il souffrait du tendon d'Achille depuis 8 semaines et qu'il s'était fait mal pendant le match à l'autre tendon. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Il s'est fait marcher dessus, et pendant 10 minutes, tu vois qu'il boite. Pendant 10 minutes, il boite bien, et ça la télé, j'en parle, t'as l'impression qu'il va sortir à un moment donné, tellement il est en galère. Hein. Donc, il a pris des coups, hein. Oui, mais bah, après, c'est le foot, c'est le jeu. Il a pris beaucoup de coups, hein. Bon, vous êtes unanime, messieurs, sur la paire Grégersen-Barbé. Laurent, tu veux ajouter quelque chose? Ouais. Moi, je dirais Barbé, j'aurais aussi des... Ça reste pour moi le capitaine courage, exemplaire et tout ça. Après, bon, là, je n'ai pas le même par rapport à Grégersen. Barbé, il y a eu quelques fois où il est passé à travers. Bon, après, ça reste quand même un Girondin pur souche et je ne doute pas de son mental, de son envie et tout ça, et de ses qualités aussi. Hein. Par contre... je dirais que Grégersen, moi, je trouve que toute la saison, attention, hein, je sais que je vais me faire contrer, je trouve que, je l'ai regardé tout à l'heure sur le chat, là, il y en a certains qui pensent comme moi que Grégersen, c'est un monstre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à une ancienne, en début de saison, j'avais dit, même en fin de saison l'année dernière, j'avais dit Grégersen, ça sera un tueur s'il progresse. Et je ne me trompe pas, et je pense qu'il n'est pas encore au top niveau, et je pense qu'il peut montrer encore plus, parce que moi, ce que j'aime, c'est outre ses qualités sportives, c'est ses qualités humaines, parce que je l'ai entendu le peu de fois qu'il a été en conférence, c'est l'humilité déjà, parce que c'est un mec qui te dit, avec la saison qu'il fait et les matchs qu'il fait, le sérieux régulier qu'il fait, même s'il a eu quelques petits... Voilà. Il te dit, le gars, je continue à apprendre. Donc, quand un mec parle comme ça et qu'il monte ce qu'il monte sur le terrain, moi, je pense qu'il peut monter que plus haut, quoi. Et si on est en Ligue l'année prochaine, je pense qu'il aura largement sa place. Et même, je dirais que dans les deux prochaines années, j'espère qu'on va pouvoir le garder. Alors, c'est un joueur qui a 27 ans, qui a été recruté par Admar Lopez. Hein. C'est un recrutement, un recrutement du directeur sportif actuel, qui est international norvégien, même s'il joue peu. Et quand on regarde ses notes statistiques, on voit là à droite, c'est toujours très élevé. Hein. C'est régulier. C'est très solide. Mais oui, c'est le plus régulier cette année, de toute façon, de l'équipe. Pour solide, moi, c'est le plus régulier. Propre, hein. Régulier, tout. Mais le truc, c'est que c'est pas que cette année. Enfin. Moi, je l'ai dit sur l'année dernière. Depuis l'année dernière. Ouais. Voilà, je parle pas souvent dans les émissions, pas beaucoup, dû à mon rôle. Mais je le disais l'année dernière, à chaque fois, des fois, j'allais contre Joe ou contre Samuel, qui des fois était peu sur le retenu à propos de Grigerson. Mais moi, déjà l'année dernière en Ligue 1, même si ça a été une saison catastrophique, je le trouvais très, très bon et je voyais son potentiel qui était énorme. Ce mec-là a vraiment du football dans le sang et il ne faut surtout pas le casser. Quoi. Il ne reste plus que dans le contrat, les gars, par contre. Hein. Ouais, son contrat, c'est notre simulation. J'espère qu'on va le garder. Parce que oui, si on ne le garde pas, concrètement, tu le rends cet été. Alors, contrat juin 2026. Hein. Il reste deux ans, du coup.
Deux alors, ans, c'est ce qu'ils mettent là sur SofaScore. Je vais aller vérifier sur un autre. Il me semblait qu'il restait plus qu'un an, mais bon, écoute. Non. Et écoutez, je crois savoir qu'il n'est pas prévu, si on monte en Ligue 1, de séparer cette paire de défenseurs centraux. Donc, déjà, c'est une bonne base pour la fin de saison. Bonne idée, bien sûr. Tu l'as dit, Gino, c'est un atout considérable, la défense. Et pour l'année prochaine. Mais totalement. Mais vous êtes d'accord, les gars, que si Gregersen il fait une saison tonitruante ou une très bonne saison en Ligue 1, en supposant en Ligue 1 l'année prochaine, vous êtes d'accord qu'en fin de saison prochaine, tout le monde va le vouloir. Hein. Il n'est pas en fin de contrat. Je alors, vous Laurent, oui, mais, je oui, mais tu pas, peux, tu peux faire venir un an avant. Laurent, là où tu as dit quelque chose de très juste, je pense que c'est la mentalité du bonhomme. C'est-à-dire que ça va au-delà des capacités sportives. C'est un mec qui est bien intégré, qui aurait pu avoir envie de se barrer vu la saison catastrophique qu'il y a eu l'an dernier, et dans le contexte en plus. Et je pense qu'il s'est super bien intégré au nouveau groupe, de par son rôle, avec les plus jeunes. Et la mentalité qu'il a, et même par rapport à la ville, de ce qu'on entend, je pense qu'il est super bien ici. Donc dans un projet où il joue avec des gens qu'il aime bien, qu'il est épanoui, et qui remonte en Ligue 1, ben moi je me dis pourquoi pas avoir un joueur qui s'installe. Et comme on en a eu, hein, on en a eu des joueurs étrangers qui sont installés pas mal d'années chez nous et qui soient ben, l'un des piliers de notre défense dans les prochaines années. Moi, j'aimerais bien. Et tu crois, Gino, que la période où il a les deux matchs que Guillaume n'a pas mis, est-ce que c'est qu'il était vraiment malade ou est-ce que c'est Guillaume qui l'a pas mis? Franchement, j'ai des doutes. Déjà. Ouais. Il a été suspendu. Ouais. Non. Il y a eu deux matchs après où il n'a pas. Enfin, déjà, il était malade. Il n'était pas. Souvent, il y a un match peut-être. Où il était malade. Ouais, ouais. Été dit, ça, ouais, il devait être malade. Ouais. Parce qu'il compte dessus. Il a une super mentalité. Messieurs, juste pour rappel, il a été recruté donc l'été 2021 par Bordeaux pour la somme de 2 millions d'euros donc, en provenance de Molde en Norvège. Mmh. Voilà, donc il n'a pas une grosse valeur, ouais, par contre, financière. Plusieurs, ouais. C'est un joli plusieurs coup. Personnes sur le chat ont dit qu'il a prolongé cet hiver, en fait, son contrat. Ouais, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. C'est ça. Bien vu. Après, s'il si manque juste un truc à Gregersen, je ne comprends pas, vu son gabarit, comment il ne marque pas plus des fois sur corner. C'est juste ça. Il va falloir qu'un jour, il m'explique juste un peu. Parce qu'ils sont mal frappés. Ils sont mal frappés. Ils sont mieux frappés, Laurent, cette année. Ils sont mieux frappés, quand même. Ouais, demande à Barbé. Sur sa tête. Non mais c'est vrai, tu te dis toujours, et notre ami Philippe Tchimendi, à chaque fois, à chaque week-end, il parle sur lui pour qu'il marque un but, ça n'arrive jamais. C'est vrai. Mais il mériterait. Oui, c'est ça, surtout c'est qu'il mériterait, c'est pour rigoler entre guillemets, mais c'est vrai que tu te dis comment ce gabarit-là n'arrive pas à se créer des occasions sur corner, parce que ce corner offensif, on le voit très très peu malheureusement, et c'est juste ça qui manquerait peut-être un petit peu pour vraiment qu'il y ait une saison. Ça serait sympa, pleine. Les quatre derniers matchs. Vraiment qu'il soit décisif sur un match. T'as raison. Bon, que je souhaiterais aussi qu'il marque, c'est Pitou avec un petit enrobé là, petite lunette là et tout, un petit brossé là. Ah ouais, là je lui souhaite le gamin, hein, parce que franchement, un vieux pointu et que je sais qu'il donne la seconde place, ça me va déjà, je m'en fous. Ah ouais, bien sûr. Du moment que ça va au fond. C'est un geste technique, hein, le pointu. Hein. Ouais, c'est pour ça. Moi, ça me va. Messieurs. 20h41, on avance. Hein. Il faut qu'on avance. On a déjà fait pas mal de thèmes. Je vous remercie. Ouais. C'était très intéressant. Conan, t'hésite pas. Je vois que tu affiches les messages. C'est parfait. On a parlé du match. Je pense que vous avez tout dit entre le débrief à chaud et ce que vous avez dit. Peut-être que vous. Petit clin d'œil à Poussin, quand même, Nico, qui a été décisif, qui a bien repris sa place. On en avait parlé la semaine précédente, quand même. L'arrêt est très joli, le premier sur Mendy, quand même. D'accord, mais moi, si tu veux, j'en fais pas trop quand il fait une erreur, j'en fais non. pas trop quand il fait deux arrêts non plus. Tu as raison aussi, mais c'était pas facile. C'est son boulot, quoi. Il sera aussi une relance à un moment donné et tout, tu vois. Mais c'est poussé, il est égal à lui-même, tu vois. Au moins, il a pas été. Franchement, il a été égal à lui-même, ça l'a pas trop impacté. Là, moi, celui que je retiens vraiment sur l'aspect négatif, moi, c'est Boquet, les persos. J'avoue que plus ça va et plus il m'inquiète. Et plus j'ai l'impression que de ce côté-là, ça passe de plus en plus. Donc, c'est plus là qu'on est en danger pour moi. Allez, on aura l'occasion d'en reparler, messieurs. N'hésitez pas à liker, à partager. J'ai dit 200 likes sur le chat. Est-ce qu'on les a atteints, les 200 likes sur la vidéo, Conan? Est-ce qu'ils sont atteints? Dis-nous ça. Alors, tac. Je ne crois pas, on n'était pas loin tout à l'heure, je crois. Alors, 180, regarde, hein 180. Ah, ouais. C'est pas mal, bravo, merci à vous. Eh ouais, merci à vous, alors qu'on est plus de 400 connectés.
hein, que sur YouTube. Allez-y, likez, ça nous encourage et ça permet de faire connaître la vidéo à ceux qui ne la connaissent pas lorsqu'ils sont sur YouTube. Julien Stéphan, messieurs, était au match de la National 3 hier face à Chauvigny. Quelle surprise j'ai eue quand je suis arrivé au guichet pour acheter mon billet de voir qu'il était devant moi. C'est bon. En famille pour assister à cette rencontre de National 3 entre le deuxième de National 3 et les Girondins qui sont 8e ou 7e, je ne sais plus, ou 9e du groupe. Il y avait Junior Mwanga d'ailleurs qui était là. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Il était la veille au match Nut Atlantique, je crois. On sait qu'il connaît Romain Ferrier, puisque Romain Ferrier, l'entraîneur de la National 3 des Girondins de Bordeaux, a officié au Stade Rennais, lorsqu'ils étaient tous les deux, Julien Stéphan et Romain Ferrier, à la formation. Mais quand tu es en vacances, est-ce que tu amènes vraiment ta famille voir un match de National 3 ? C'est la question que je me pose. Ça interroge quand même, car un entraîneur libre de Ligue 1, avec 170 matchs de Ligue 1, je crois, environ, à son actif, en N3 pour superviser, assister, je ne sais pas, est-ce que c'était une visite amicale, voir Bordeaux ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il cherche un pavillon. Oui. Ah, il a déjà un pied à terre ici, normalement, il me semble, par son père. Joe, je te peut-être, laisse commencer. Voilà, ouais. Est-ce qu'il faut y voir un... Joe, on te voit presque plus. On te voit que le menton. Que on te voit plus. Ah, voilà. Non, on ne te voyait plus le menton. Est-ce qu'il faut y voir un signe de cette présence à un entraîneur de Ligue 1 qui n'est pas de la région à un match de National 3 de l'équipe des Girondins de Bordeaux? Non, il me semble que son père a une maison pas très loin sur le bassin, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas possible qu'il soit passé venir faire un week-end de 2-3 jours. Voilà, mais maintenant, on sait que c'est un coach qui est libre et qui est assez bankable. Donc, on sait qu'à Strasbourg, malheureusement, ça s'est pas très bien passé, mais c'est pas dû qu'à sa faute, d'après ce qu'on comprend aussi. Donc, voilà, c'est un coach qui était plutôt intéressant, qui apparemment a toujours un petit peu regardé Bordeaux, sachant que son père y a travaillé aussi, y a même entraîné, si je dis pas de bêtises. Pas une saison entière, je crois qu'il n'était pas resté malheureusement sur toute une saison. Je m'en rappelle très bien parce que j'étais abonné à cette époque-là et il avait 97, fait le début de saison voilà, où il arrive avec Bob en... Je refermerai la parenthèse très rapidement, il arrive avec Bob en adjoint et le début de saison est mauvais, en Coupe d'Europe on se fait un petit peu taper, il y a Stanley Menzo dans les buts, bref, il n'y a rien qui va. Il se fait sortir, je crois qu'il n'avait pas d'emprise sur son groupe, en plus il se fait sortir et Bob le remplace. Voilà. Ouais, c'est ça. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, je pense qu'après c'est un club, quand tu es un coach libre, coach qui est en train de lutter pour la Ligue 1, avec un coach Guillaume qui n'est pas forcément toujours mis en avant et qui souffle un peu le chaud et le froid. Donc je pense que c'est normal un petit peu que tu t'intéresses à ça si tu es dans le coin. Donc voilà, peut-être qu'après il a rencontré du monde aussi. Voilà, mais ça après. on verra, mais après je suis pas trop porté sur les rumeurs ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'il y avait aussi Dugarry et Chamac, hein. Donc on peut se dire aussi, est-ce qu'ils vont ils étaient pas au match de la National 3. Voilà, donc non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'apparemment, Julien Stéphan a passé une grosse partie de son week-end à Bordeaux. Voilà, Gino. Merci, Joe. Est-ce qu'il faut voir un signe? Ça interpelle quand même. Voilà, c'est exactement ce que tu dis. Ça interpelle pourquoi? Parce que deux matchs en deux jours, dont le match de la réserve. On peut se demander. Alors après, il est en famille, peut-être qu'il vient là pour voir du foot aussi, parce que c'est un passionné de foot en tant qu'entraîneur. Il a des liens avec Romain Ferrier de la réserve, coach de la réserve, ça peut s'entendre. Mais pourquoi être là la veille aussi pour les pros? Ça interpelle un petit peu, sachant que, comme l'a dit Joe, c'est quand même un entraîneur qui a eu vent à un certain moment donné aussi, qui aurait peut-être des places qui se libéreraient à Bordeaux et qui a plutôt apprécier le projet bordelais, je pense. Alors après, je pense pas qu'il ait été dans les plans du club officiellement, mais c'est un entraîneur, à mon avis, qui regarde quand même ce qui se passe, qui serait pas contre se relancer à Bordeaux. Donc on peut être un peu interpellé de le voir deux fois dans le même week-end, venir un peu voir comment ça se passe en fin de saison. Donc voilà, ça peut émettre des suppositions, notamment du fait qu'il soit libre et qu'il soit venu voir les deux matchs, je trouve. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Un avis là-dessus? On n'a pas d'infos, hein, mais bon. Non, je rejoins mes collègues. Je ne suis pas dans le secret des dieux, enfin, pas de ce côté-là toujours. Et ouais, c'est bizarre parce que, bon, après, on sait qu'il aime le football. Qu'il vienne en famille.
Est-ce que Joe sait qu'il était en vacances en famille et que voilà, je sais pas, mais ouais, c'est bizarre. Et puis regarder les deux matchs, ça peut interpeller, hein, ouais, comme Gino, ouais, c'est, je sais pas. Après, Est-ce que ça le ferait? Bon, on va parce que ça, ce que ça sous-entend, ouais, c'est est-ce qu'il ça. était là parce qu'il y a un intérêt pour Bordeaux pour lui ou lui pour Bordeaux? Est-ce qu'il avait c'est ça les questions. Est-ce que Moi, je pense, ouais, mais voilà. j'avais Voilà. compris, mais Ouais. je pense que ben, s'il y a une montée en Ligue 1, je pense qu'il y aura du monde qui voudra venir à Bordeaux en coach. Il y en a déjà qui sont plus ou moins positionnés de loin ou qui ont fait des appels du pied en disant que, voilà, aussi bien je coach que joueur même. Donc après, est-ce qu'ils vont se quereller pour une place? Ben, ça serait peut-être bien. Après, si on a le choix, je ne sais pas. Mais moi, Julien Stéphan, ce n'est pas un gars que j'ai suivi beaucoup et que je pense qu'il y a des choses bien que j'ai vues, il y a des choses moins bien. Après, ben, un coach, il y a des choses qui marchent bien, il y a des réussites et il y a des coups de Trafalgar des fois, mais bon. De toute façon, c'est sûr que pour en revenir et pour terminer avec ça, je pense, et c'est mon avis, tu avais posé les questions auparavant, Ligue 1 ou Ligue 2, pour moi, Guillaume, l'année prochaine, non. Voilà, ça c'est ton avis. C'est. Oui. Voilà, c'est la question qu'on peut être amené à se poser quand tu vois que il y a alors peut-être qu'il était juste en vacances et qu'on extrapole, mais peut-être C'est pas. ça, On mais sait on l'a pas. dit. Après, Voilà. Nico, Mais c'est c'est intéressant. oui. Mais moi, je lis un peu les réactions sur le chat. Voilà, les gens s'expriment, ils ont raison en plus par rapport à ça et Bien ce sûr. sujet. Maintenant, ne pas en parler, bah, c'est aussi pas mettre le sujet sur la table. On ne dit pas qu'il va signer demain aux Girondins ou que le club l'a Bien sollicité. sûr que On non. dit juste que ça interpelle. Mais il y a rien de plus que ça pour l'instant en termes d'information. Voilà, on peut ne pas en parler, mais c'est quand même un entraîneur de Ligue 1 qui a été quand même en contact avec des gens du monde du football. Bah, soyons clairs, qui était plutôt dans le microcosme bordelais, ça c'est une vérité, hein, qu'on le veuille ou non. Donc il faut le dire, au bout d'un moment, on ne peut pas laisser les dossiers sous le tapis et ne pas en parler. Donc il faut être clair aussi sur les sujets. C'est pas faire offense à qui que ce soit au club de le dire, je pense. Voilà, Et il n'a jamais dit non pour Bordeaux. là, on Il n'a s'est passé, il a été jamais été contacté, dit. donc Voilà. il n'a Ah jamais ouais, été mais pas libre de manière donc officielle, pour en tout cas, venir. je Donc, ne pense pas. puisque si vous vous souvenez à l'été 2021, c'est quand Bordeaux est racheté par Gérard Lopez, lui qui traîne en mars 2021 et il arrive, il est nommé à Strasbourg en mai 2021. Donc Gérard Lopez arrive en juillet donc 2021. Donc il n'est jamais libre au moment pour venir à Bordeaux. C'est un entraîneur, juste pour l'info, qui a 42 ans. Et qui a coaché donc Rennes, qui a une carrière de formateur à Lorient et à Rennes, et qui a coaché l'équipe de Rennes avec 110 matchs en Ligue 1, et ensuite l'équipe de Strasbourg avec 58 matchs, une belle première saison, et une deuxième saison où il s'est fait sortir parce qu'il avait une moyenne de points de 65, 0,65 points par match en 17 matchs, donc c'était pas brillant. Voilà. Bon, on en parlait. Conan, un avis et peut-être des réactions que tu souhaites relayer sur le chat, même si Gino en a parlé, Ouais, donc tu peux donner ton avis directement si tu as envie. mon avis, comme Gino, c'est que j'ai vu justement les réactions directes. Bon, il y en a beaucoup qui parlent de foot fictif, c'est pas l'actualité. De toute façon, ce qu'il faut, c'est recruter Fiction. attaquant et milieu. Arrêtez de parler d'entraîneur. Moi, ce qui me fait rire, c'est de voir les changements. Bon, de toute façon, c'est la passion du supporter français qui est toujours comme ça. Les changements de commentaires que je vois là par rapport à toutes les autres émissions, la dernière dont on avait parlé de ça, justement, de Guillon en Ligue 1, est-ce qu'il faudrait qu'il continue? Où tout le monde était vraiment pas vraiment pour, c'était rare ceux qui voulaient continuer avec Guillon, et là tout le monde veut continuer avec Guillon, surtout parce qu'ils le mettent à l'image de Stéphan, que l'on parle justement en contrepartie. Ils préfèrent Guillon que Julien Stéphan. Maintenant, si on leur met Zidane, ils vont dire Guillon, on n'en veut pas en Ligue 1, on veut Zidane. D'accord. C'est ce que je lis. Moi, ça me fait rire, ça me fait rire. Je me retiens de pas rire pendant les commentaires qui sont faits par mes collègues pour les laisser parler tranquillement. Mais moi, vous me faites rire. J'en ai chaud. D'accord. Bah après c'est des avis. Non, mais Après après, c'est tout le monde a le subjectif. droit, tout le monde C'est a le droit de ça. donner son C'est avis. subjectif. D'ailleurs, Bien sûr, bien sûr.
On fera le bilan. Est-ce que vous souhaitez que David Guillon soit l'entraîneur ça, ça sera intéressant plus tard, bien sûr. La saison prochaine. Bon, là, c'est un peu trop tôt pour le faire. Mais comme j'ai vu hier Julien Stéphan au match, on en parle. Voilà. Normal. C'est normal d'en parler. Il faut pas oublier que sur le chat, c'est des professionnels pour nous dire que genre Joe retourne sa veste par rapport à ce qu'il a dit il y a un mois sur lui. Tous, aux gens du chat. La même chose dans le sens contraire aussi. On est tous pareils. C'est pas grave, ça, Conan. Conan, il est assez radical. Moi, j'aime bien. Tu vas t'embrouiller avec les gens du chat. Toi, t'aimes pas avec les gens du chat. Alors, t'inquiète pas, Conan, ma veste est à l'endroit, tout va bien, c'est bon. Voilà, Conan, il est en rébellion là contre le chat. Conan, on n'a pas le droit de rêver, te disent. Mais si, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de dire, dire ce que vous voulez, du moment que c'est dans le respect. Informatif, je ne sais pas pour ceux qui l'ont fait, je regarde un peu aussi en petite fenêtre le match du Havre face à Rodez. en sachant que le Havre quand même joue avec deux milieux sur les côtés qui ne jouent jamais ou quasiment jamais. Ah oui. Leur gardien par contre est revenu, mais Rodez pour l'instant les mange. D'accord, 0-0. Bon. J'entends un petit bruit derrière. J'espère que c'est pas ton son, si tu peux le baisser, parce qu'il y a depuis tout à l'heure un petit son de télé. Il est dans le casque. Ah mais j'entends. Vous l'entendez pas depuis tout à l'heure. On entend un petit bruit. Ouais. On entend un truc. Ouais. Ah oui. Ah ouais, on l'entend depuis tout à l'heure. Bon, ouais. C'est il écoute la musique aussi. En fait, il se met un film, il se met un petit... Non, c'est le match. Ah, c'est le match, je le mets en muet. Bon, merci messieurs pour ça. Bon, fallait en parler, on en a parlé, mais ça ouvre plein d'autres questions très intéressantes sur lesquelles on débattra dans une autre émission, puisqu'on a encore le temps de le faire. Et il sera bien temps de le faire quand le sort des Girondins sera réglé. Je dis juste que David Guillon a une option d'un an. Une prolongation d'un an en cas d'accession à la Ligue. On verra si elle sera déclenchée ou pas. Messieurs, autre thème avant d'aborder le match face à QRM, c'était en bref quelques informations à vous dire. J'aime bien faire un petit en bref quelquefois dans les émissions, depuis quelques émissions, je trouve que c'est sympa. La prolongation de Lenny Piringuel, ça c'est un petit peu le fil rouge depuis quelques émissions. Donc je rappelle que c'est, bon, vous le connaissez tous, hein, ceux qui nous regardent, ou si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur de 18 ans qui est en fin de contrat avec Bordeaux, qui a été international français encore récemment, qui a beaucoup de sollicitations ces dernières semaines, puisque sa fin de contrat est au mois de juin. Et ce que je peux vous dire par rapport à ce qui avait été, ce que j'avais pu dire lors des précédentes émissions, bah, c'est que ça évolue plutôt, je pense, positivement, dans le sens où c'est en bonne voie pour qu'il prolonge avec les Girondins de Bordeaux. Donc ça serait positif par rapport aux échos que j'ai eus. Mais il faut savoir que c'est un joueur qui a eu énormément de sollicitations de la part de clubs, et il y avait une problématique parce que quand tu es un jeune joueur, que tu as 18 ans, que tu as un espoir et que tu es reconnu dans ce que tu fais, dans tes performances, mais tu as des clubs qui viennent te solliciter, et ce que tu cherches, mais tu cherches la meilleure solution pour toi, savoir du temps de jeu, et en même temps, tu as des envies pour le club dans lequel tu souhaites jouer. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'une décision devrait être prise rapidement et que ça serait plutôt positif pour qu'il prolonge avec Bordeaux. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus ou pas. Voilà, on croise les doigts, on attend. On aimerait bien l'avoir avec nous, Lenny. On l'aime bien. Non, mais voilà, comme j'ai dit précédemment, c'est que si on ne le garde pas, pour moi, c'est une grosse erreur de la direction, très sincèrement. Si on ne garde pas ce joueur-là, c'est grosse erreur. Hein. Oui. Pour moi, c'est un dossier pour eux. Ça va être l'un des dossiers prioritaires qu'ils ont actuellement, pour moi, parce que tu passes à côté de joueurs comme ça, que tu laisses partir gratuitement pour une autre équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2, peu importe. Grosse erreur dans la gestion quand même de l'effectif, pour l'avenir notamment. Donc attention. Moi, très sincèrement, je les attends vraiment au tournant sur ce cas-là. Donc voilà. Il a envie de jouer, il a besoin de jouer. Hein. Tu as 18 ans, tu as les capacités qu'il a, faut qu'il joue. D'ailleurs, ce ne sera pas le seul hein, dans l'effectif à avoir besoin de temps de jeu. Et enfin, concernant Bordeaux, on l'a appris fin de semaine. Bordeaux, mais même si on le savait, Sud-Ouest l'avait révélé déjà il y a plusieurs semaines, mais l'équipe l'a confirmé. Bordeaux ne va pas libérer Junior Mwanga pour faire la Coupe du Monde du U20 qui se déroule en Argentine du 20 mai à mi-juin. Donc la liste sera communiquée mercredi par la Fédération française de football, avec la liste du sélectionneur Landry Chauvin. Il y a énormément de clubs hein, qui bloquent leurs joueurs, hein, notamment à Lyon, à Monaco. Je pense que ça sert aussi d'exemple. Il y en a beaucoup. Et
Et donc, Bordeaux est dans la même lignée, bien entendu. Je pense. Sachant en plus la difficulté que ça peut être pour le club sur ce poste. Là, c'est une porte ouverte qu'ils utilisent, nos amis du club. Et j'ai envie presque de dire, ça me paraît logique vu que les dates ne sont pas homologuées FIFA. Ils ne sont pas sanctionnés. C'est-à-dire, comme la date n'est pas, c'est pas une date FIFA, ils ne seront pas sanctionnés. Ils peuvent retenir le joueur sans être sanctionnés. Est-ce que tu ne pouvais pas trouver un compromis ? Le mieux, pour moi, ça aurait été de trouver un compromis avec la sélection, mais ça paraît très compliqué parce qu'il y a des stages avant et le temps qui part. C'est loin en plus, hein. C'est en Argentine. Et je pense qu'il ne sera même pas dans la sélection puisque des contacts ont été pris déjà entre la Fédération française de football et les clubs. Donc, il ne sera même pas dans la liste, il me semble. C'est triste pour le gamin parce qu'il méritait vraiment de le faire. Pour ce côté sportif, c'est un peu triste pour lui. Messieurs, un avis là-dessus ? Ça montre l'importance qu'a le gamin dans ce groupe-là. Et effectivement, tu perds un joueur comme ça qui est capable de jouer milieu et défenseur dans des postes où si tu le perds lui, tu n'as plus trop de choix après derrière. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je trouverais ça toujours désolant d'empêcher un jeune d'aller jouer quand même avec sa sélection, une Coupe du Monde dans les catégories jeunes. Après, à qui la faute ? C'est toujours pareil. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai fautif pour ce cas-là, malheureusement. Le seul fautif, c'est le calendrier qui est juste ridicule pour moi, je pense, de faire cette compétition-là en pleine fin de championnat en plus. Je trouve ça bidon. Mais voilà, je trouve ça dommage pour le gamin. Et bon, j'espère qu'il comprendra le fait que le club veut le garder parce que tu as quand même une échéance très importante pour cette fin de saison et que sincèrement, voilà, ça serait se passer de lui, ça serait, même s'il n'est plus vraiment titulaire à l'heure actuelle, ça serait quand même un vrai handicap pour nous, je pense. Voilà, messieurs, pour le en bref, on peut passer au match face à QRM. C'est samedi, Quevilly-Rouen Métropole, qui va accueillir les Girondins de Bordeaux à 15h. Ça sera sur beIN Sport 1 ou au stade. Je sais qu'il y a pas mal de sociaux qui y vont. Je les salue tous. Il y en a beaucoup qui font les déplacements. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Et on vous réserve une petite interview sympa dans la semaine sur Web Girondins concernant ce match. Voilà, ça sera à lire sur le site. Joe, tu veux faire la présentation ? Oui, je peux. Je peux. Allez, je peux. Tu peux ? Et tu es en capacité ? Magnifique. Joe, j'ai vu passer sur le message des messages sur Joe qui disent pourvu que beIN Sport nous pique pas à Joe la saison prochaine. Au moins ça, ouais. Pour la qualité de ses analyses. C'est pas possible, ça prend une vidéo si on monte en Ligue 1. Je connais plus, pas. Voilà. Si c'est beIN, on reste en Ligue 2. Il va pas faire Maxi Ligue 2, Joe. Putain, sans déconner pas. On va se le faire piquer. Oui, bien sûr, évidemment, les gars. Ouais, surtout que j'ai commencé déjà à entendre des remarques au début sur le chat sur ta musique générique de BFM TV, Nico, que tu nous as mis. Donc, c'était du ça. Chose comme tu plaisantes. Il y a certaines personnes qui ont pensé. Je vais adresser un message à ces gens-là. Éteignez la télé et éteignez BFM, s'il vous plaît. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Oh là là. Dans votre vie, non. Allez, Joe, on t'écoute. Non, mais c'est la bonne petite surprise de ce championnat. Bonne petite surprise de ce championnat. Joe, alors je m'étais noté des questions pour toi. Je ne les trouve plus. Comment ça se fait, sans mes questions. Donc, quelle est la dynamique de l'équipe ? Alors. Très sincèrement, ils ont fait un bon début de saison, pas tenu truand, mais c'était assez régulier, mais ça tenait bien la route. Ils ont surtout fait un mois de février qui a été assez épatant parce qu'ils ont pris 10 points sur 12. Donc du coup, une grosse série. Ils ont eu un petit coup de mou en mars avec 3 défaites et un nul. Et actuellement, ils sont sur une série de 5 matchs en défaite avec 2 victoires et 3 nuls, du coup. Et avec surtout beaucoup de buts marqués de chaque côté. C'est souvent des matchs et buts, il y a eu juste un 0-0 contre le Havre quand même. Ils ont réussi à aller chercher au Havre, quand même, malgré tout. Donc, selon l'adversaire, ils vont quand même un petit peu s'adapter aussi, bien évidemment. Mais c'est une équipe, depuis 5-6 matchs, où il y a beaucoup de matchs à but. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà. Et oui, Pau, tu as parlé du match de Pau ? Pau 4-3, il y a eu deux matchs nuls 2-2 contre Annecy, je ne sais plus qui, avant le Havre aussi, du coup. Ils ont gagné 2-1 contre Caen. Voilà, c'est souvent des matchs assez spectaculaires avec eux. Et... Mais ça s'explique un petit peu par leur force et leur faiblesse aussi à l'heure actuelle, surtout en tout cas du moment. Ils ont un entraîneur qui est connu. Hein, Olivier Chouafny, Olivier Chouafny. Quel est,
quel est le style de jeu? Il a entraîné PSG féminine, il a entraîné les féminines. Ouais, et même l'équipe de France. Je ne sais pas s'il n'y a pas été en équipe de France aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais bah, après, leur style de jeu, ce n'est pas vraiment un style de jeu, c'est surtout que c'est une équipe qui est très soudée, qui est très dure à jouer parce qu'il y a un bloc qui est très solide et qui impose généralement un combat physique. C'est la troisième équipe qui récupère le plus de ballons dans cette Ligue 2. C'est une des équipes qui gagne le plus de duels également. Et c'est l'équipe qui provoque le plus de fautes chez l'adversaire. C'est-à-dire que c'est eux qui, effectivement, subissent le plus de fautes. Donc, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Ce qui leur permet, bien évidemment, aussi de se créer beaucoup de situations sur coup de pied arrêté. Et ils ont une bonne réussite sur ce secteur-là. C'est pas la meilleure équipe, mais ils sont dans le haut du tableau à ce niveau-là. On voit aussi, ces derniers matchs, qu'il y a quand même une certaine montée en puissance en termes de qualité technique. C'est pas la meilleure équipe technique de Ligue 2, loin de là. Ça permute et ça bouge beaucoup quand même. Et il y a notamment un milieu qui est revenu qui s'appelle Balthazar Pierret, c'est la sentinelle de l'équipe, qui est un peu la plaque tournante de cette équipe en termes de jeu, qui a un gros abattage, une qualité technique plutôt intéressante, qui est capable d'alterner jeu court, jeu long, qui a une bonne vision du jeu et qui est capable d'accélérer le jeu rien qu'avec une passe. Donc c'est une bonne pioche pour eux, qui vient un petit peu nulle part, mais un joueur très intéressant, je crois qu'il a que 22 ans. Hein. Donc voilà. Et puis, malgré tout ça, ils ont aussi une attaque quand même qui est capable de marquer à tout moment, notamment sur les derniers matchs, on l'a vu, avec le buteur Mafuta qui est un petit peu le renard de surface, un gros gabarit qui pèse beaucoup. Il y a Soumaré qui est un joueur de côté, qui est le joueur qui gagne le plus de duels, sans oublier aussi Bangré qui est de l'autre côté, qui a marqué ce week-end, notamment, qui est un joueur qui est assez décisif. Soumaré et Bangré sont auteurs de 5-6 buts chacun, hein, voilà, et autant de pas décisifs, hein, ou peut-être un peu moins, mais ils ont quand même des stats qui sont assez cohérentes pour des attaques en côté. C'est la septième attaque de Ligue 2, c'est pas, ils sont à 41 buts, c'est pas flamboyant, mais c'est pas non plus la pire équipe, notamment quand on voit les adversaires qu'on a eu comme notamment Grenoble et Valenciennes, qui n'étaient pas trop dangereux sur ce secteur-là. Et en plus, ils ont des joueurs sur les côtés capables d'apporter effectivement un surnombre et faire des différences, comme Sissoko. Il fait partie de ces joueurs qui sont parmi les meilleurs centreurs de cette Ligue 2, ce qui fait qu'aussi, c'est l'une des équipes qui centre le mieux de cette Ligue 2 aussi, donc les buts viennent notamment beaucoup sur les côtés. Sur les 4 buts ce week-end, il y en a 2 qui sont venus sur des centres à ras de terre. Voilà. Très bien. Et donc les joueurs, tu en as déjà, ouais, déjà parlé, des joueurs à surveiller. Après, oui, peux rajouter autre chose. Après, au niveau entre guillemets des faiblesses, on va dire, ou entre guillemets, pas vraiment des faiblesses, mais des incertitudes qu'il y a, c'est qu'ils ont perdu quand même en solidité défensive depuis plusieurs matchs, qui était l'une de leurs forces en début de saison. Ils ont notamment changé leur système. Il y a 2 matchs contre Annecy, ils sont passés en 4-2-3-1. Ils ont tenté avec une... Non, pardon, ils sont en 4-2-3-1, ils sont passés sur une défense à 5 contre Annecy. Mais l'équipe reste toujours perméable et commet des erreurs défensives. Comme beaucoup d'équipes, ils sont souvent gênés à la perte du ballon, dans le dos et face à des joueurs rapides, notamment contre Pau, on l'a vu, les ballons longs dans le dos, ils ont été en grande difficulté et ils ont eu du mal face à Bassouamina, notamment, qui provoquait beaucoup de choses par sa vivacité. Et aussi, il faut dire qu'ils sont sur une dynamique qui est beaucoup moins intéressante depuis 2 mois, parce qu'ils sont seulement sur 2 victoires en 9 matchs, dont la dernière ce week-end à Pau, avec un match très moyen de leur part. Hein. Comme le maintien est quasiment acquis aussi pour eux, je crois qu'ils sont qu'à 2 points du maintien, etc. Mais bon, on sait très bien qu'ils sont dans la bonne zone, donc ils ne risquent pas grand-chose. On sent un petit peu de relâche, et il y a eu quelques blessés aussi ces derniers temps. Et on sent aussi que physiquement, ça a baissé un petit peu d'intensité, alors que c'est l'une de leurs plus grosses forces. On a vu contre Pau, il y avait des hauts et des bas, notamment physiquement, ils se sont fait un petit peu bouger par moment. Sur le deuxième but, on voit un centre où les joueurs de Quevilly se rendent dedans, etc. Il y a aussi un manque de concentration qui est assez criant par moment. Et le troisième but, c'est un long ballon. Tu as l'impression que les centraux peuvent l'avoir et les deux se regardent. Et ça va sur l'attaquant de Pau, Georges, je crois, qui se retrouve tout seul face au gardien. Donc on voit quand même des largesses et des lacunes défensives qui sont de plus en plus présentes et pesantes pour l'équipe de Quevilly à l'heure actuelle. Donc voilà. Je te laisse donner ton pronostic tout de suite ou oui, tu as autre non, chose à voilà. rajouter? Alors, pour conclure, pour donner mon pronostic, voilà, ça va être une équipe qui va être quand même plutôt chiante à jouer, faut dire ce qu'il est, qui fatigue l'adversaire beaucoup par l'impact physique, mais qui a des lacunes et des largesses défensives, comme j'ai dit. On commence effectivement à ressentir une équipe qui baisse un petit peu de pied, vu que là, ils sont 8e, ils sont dans la bonne zone, ils sont plutôt tranquilles. Mais pour moi, c'est quand même le déplacement que je crains le plus, ça, sur les 5 derniers matchs. Surtout, comme j'ai dit, comme ils se relâchent un petit peu sur l'aspect défensif, par contre, ils sont en train de se lâcher un petit peu plus dans le jeu et on voit une amélioration technique qui est quand même assez intéressante pour eux. Seul Metz a réussi à gagner ses 2 matchs contre eux. Bastia, Caen, Le Havre, il a perdu des plumes. Caen a notamment perdu récemment contre eux.
Donc, ça va être un match qui va être très dur. On l'a vu contre Caen, qui était une équipe physique. On a quand même pas mal subi sur les 90 minutes, sur les 90 minutes. Ça risque d'être un petit peu le même combat et le même défaut pour nous. Le côté physique, il va falloir vraiment répondre présent. Mais bon, vu notre situation et vu l'enjeu qu'il y a pour nous et le peu d'enjeux qu'il y a pour Quevilly, une victoire 2 buts à 1. Je pense qu'on va quand même encaisser un but malgré tout. Mais une victoire 2 buts à 1. Parce que je pense qu'on peut prendre un but, mais je pense qu'on a la capacité de leur marquer des buts en insistant un petit peu dans le dos, dans la profondeur, avec notre qualité technique sur les côtés. Voilà. Merci Joe, c'était parfait. Tu avais fait le même pronostic la semaine dernière pour le match 2 buts à 1 pour, je voyais un match serré, pour Bordeaux face à Caen. Ouais. Je pensais qu'on allait prendre un but. D'ailleurs, personne n'a trouvé le bon pronostic. Juste quelques stats avant ce match. Bordeaux a fait 15 clean sheets cette saison. Il faut savoir qu'on est en passe de battre le record sur une saison, Ligue 1, Ligue 2 confondue, puisque, alors, de battre non, mais peut-être de l'égaler, puisque le record de clean sheet a été fait en 2012-2013. Et il est de 17 clean sheets Bordeaux, pour Bordeaux en Ligue 1. Donc, on n'est pas loin de battre son record. Et là, on est sur une série de 3 victoires consécutives et de 3 matchs sans encaisser le moindre but. Voilà pour quelques stats. Je voudrais, avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais vous montrer le calendrier des matchs qui restent. Donc, QRM, on se déplace. Laval, on reçoit. Annecy, on se déplace. Et ensuite, Rodez. Je sens que je vais être obligé de rajouter le Havre s'il ne gagne pas ce soir. Mais je ne le ferai la pas. La demande va être forte. Ouais, la demande sera forte. Pour remplacer Sochaux. Non, oui. Par contre, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que là, ce week-end, Sochaux, Caen, Grenoble, mathématiquement, ce n'est plus possible pour eux. Il n'y a que Bastia qui est à 11 points. Mais bon, eux aussi, ils sont, malheureusement, même si ça reste jouable mathématiquement, on sait que c'est fini pour eux. Ce week-end, quand même, il y a eu un grand ménage de fées derrière nous. On voit que Sochaux, depuis le. Il restait 10 matchs. On a commencé à faire ce décompte et on voit que sur les 10 matchs qui restaient, Sochaux, sur les. sur les ils se sont effondrés. 1, 2, 3, 4, 5 défaites. Victoire, c'est la pire équipe de Ligue 2, faut dire ce qui est. New York, c'est catastrophique cette saison. Donc, Ah oui. Quand on voit les buts donnés à Metz ce samedi, Joe, et le scénario du match, c'est assez catastrophique. Ouais, on voit que Metz. Et on voit que Metz, quand même, a perdu quand même 2 points depuis qu'on fait le décompte sur les 10 derniers matchs par rapport à Bordeaux. Et eux vont recevoir Grenoble quand nous, on va se déplacer à Quevilly ou en métropole. Voilà. Pareil, Grenoble est une équipe chiante à jouer. Ouais. Et s'ils ne font pas la différence très vite dans le match, Metz peut vite se crisper, comme on l'a vu contre le Paris FC. Hein. Ils se sont très crispés. Ils ont très vite paniqué. Ils ont essayé d'accélérer le jeu au maximum. Du coup, il y avait beaucoup de déchets. Si Grenoble tient la première mi-temps sans prendre de but, ça peut être bon signe. Bien sûr. Et ils joueront encore après nous à 19h quand on joue à 15h. Ouais. C'est quand même une donnée quand on voit que Niort a marqué en premier dans le match face à Metz. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu un pénalty assez rapidement derrière qui a fait que Metz est revenu. Mais mentalement, si on avait la bonne idée de mettre la pression sur nos amis messins en gagnant à Quevilly, je pense qu'il y aurait peut-être une belle surprise à attendre le soir. Je vous montre le classement. Le Havre qui est premier avec 68 points. Bordeaux qui est deuxième avec 65 points et plus 22. Metz qui est troisième avec 62 points et plus 25. Petite stat encore. Depuis que la Ligue 2 est en poule unique, c'est-à-dire un seul championnat, sur 10 équipes qui comptaient le même nombre de points que les Girondins, à savoir 65 points à 4 journées de la fin, 9 ont terminé dans les deux premiers. Voilà. Il n'y en a qu'une qui ne l'a pas réalisé, c'était Montpellier en 2000-2001. Donc c'est une stat plutôt positive qui montre que sur les 10 cas où il y a eu la même situation que les Girondins, il y en a 9 qui ont terminé dans les deux premiers. Donc voilà. Donc ça montre la bonne dynamique bordelaise, même au niveau des probabilités et des statistiques. Voilà. Allez, Gino, ton pronostic? Non, mais je suis impatient de voir un peu cette opposition parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Quevilly. QRM qui est vraiment une belle équipe cette année en Ligue 2. J'ai beaucoup aimé le match contre Pau qui était très ouvert. Ils ont mis des magnifiques buts. Comme l'a bien dit Joe, c'est une équipe qui a des qualités, qui est capable de prendre pas mal de buts, mais qui globalement, je trouve, les derniers matchs, justement, c'est des matchs, ben, notamment le dernier, assez ouverts. Quand ils étaient venus à Bordeaux, ils n'avaient pas fermé le jeu dès le début du match. Alors, il y avait eu des circonstances avec un pénalty, une exclusion qui avait facilité aussi notre victoire 4-0.
Mais ils n'ont jamais été trop dans l'esprit de fermer le jeu. Et je trouve qu'en Ligue 2, c'est bien d'avoir des équipes de ce type. Et paradoxalement pour eux, parce qu'on se pose souvent la question vis-à-vis de nous, l'adversaire, mais Quevilly jouer une équipe comme Bordeaux, qui est peut-être qui va amener aussi du duel, qui va être à l'extérieur, qui va avoir envie de prendre des points aussi à Quevilly, je ne suis pas sûr qu'on soit le meilleur adversaire à jouer pour eux, même non. Si ça serait un match de gala. Par rapport à nos caractéristiques, ça ne sera pas un match peut-être aussi ouvert que contre Pau. Donc, je m'attends à ce qu'on soit dans la solidité, pareil que ce qu'on est ces derniers matchs, avec quand même plus de création, plus de créativité offensivement. J'aimerais bien revoir Pitou, par exemple. Si on peut faire jouer les deux devant, bah, si ce n'est pas le cas, ou au moins qu'on soit dans de la création et avoir plus d'occasions, ça serait quand même bien, je trouve, d'amener ça sur les quatre derniers matchs, et notamment Quevilly, ça donnerait vraiment un très bon signe. Et je vois bien une victoire 2-0 pour les Girondins de Bordeaux ce samedi, ce qui ferait encore un clean sheet et qui serait vraiment au niveau du moral, comme on l'a fait un peu à Valenciennes, vraiment une superbe chose. Eh bien, merci Gino. Laurent, ton prono. Ah, attends, ton micro est arrêté, Laurent. Je te l'allume. Vas-y, Laurent, c'est merci. Bon. Merci. Alors, mon prono, je vais rejoindre Gino dans ses propos par rapport aux arguments qu'il avance. Je vais rejoindre Joe par rapport à ce qu'il a dit, vu sur Quevilly, parce qu'il est le spécialiste des adversaires et c'est une encyclopédie sur toutes les équipes qu'on rencontre. C'est clair. Non, c'est réaliste. Moi, je sens quand même un match piège. Sur ce qui reste, je pense que ça serait le match le piège qui serait le plus prononcé, je pense. Après, je vais te dire quelque chose, Nico. Je vais te dire que ça dépendra de ce que notre ami Guillaume va mettre en départ de match et comme équipe et les changements qu'il va faire après. Parce que suivant la physionomie du match, mais bon, d'abord, est-ce qu'il va reconduire cette équipe ? S'il reconduit cette équipe, pour moi, on ne gagnera pas là-bas avec cette équipe. S'il remet le style d'équipe qu'il a mis avant, on gagnera là-bas. Mais ça, c'est que mon avis. Ou alors, on peut aussi gagner avec la même équipe, mais il y aura des changements à la mi-temps. Voilà. Mais je sens un match piège qui sera serré. Je donnerai un 2-1 pour nous quand même. Positif. Allez, 2-1. Conan. Merci, Laurent. Conan, ton pronostic ? Alors déjà, sur le chat, j'ai vu 2-1, 3-1 qui a été donné. Beaucoup qui espèrent justement que l'on, comme a dit Laurent, qui repasse sur un 4-4-2, qui remette un peu plus d'appui. Il y en a beaucoup qui ont parlé aussi d'une rentrée de Bakouad dans le match, sur la fin du match, a fait plus de bien que quand il est titulaire. Donc ça pourrait être bien de le renouveler. Après, beaucoup parlent de match piège, hein, comme ça a été dit, on le sait tous. De toute façon, en un sens, faut dire que nos quatre derniers matchs sont des matchs pièges. Faut pas non plus se le voiler. Après, on dira fureur du supporter ou réalité, j'en sais rien, mais si on arrive à faire comme on a fait à chaque fin d'émission, même celle où j'ai pas participé, que je vous ai suivi à chaque fois, on annonçait pour des équipes qui marquaient quand même, qui mettaient des buts, au moins un but de l'équipe adverse, et au final, on a réussi à sortir avec des clean sheets. Je pense que si Bordeaux arrive, comme d'habitude, à gérer le match, jusqu'à casser le rythme de l'adversaire et jusqu'à ce qu'on marque un but, on pourrait arriver à faire un petit 3-0 contre Quevilly. C'est ton pronostic, 3-0, c'est ambitieux, c'est magnifique. Je vais avoir par contre un duel intéressant pour Bokele face à Soumaré. Soumaré qui est un bon joueur physique et qui est plutôt véloce, qui est pas mauvais techniquement. Comme j'ai dit, j'ai mis beaucoup de doutes sur Bokele sur les derniers matchs. Le danger peut venir de là, franchement, pour nous. Voilà. Et j'avoue que si on fait le même match contre Caen avec le même dispositif, je pense pas que ce soit la bonne idée. Du coup,
Alors que Le Havre vient de rater un pénalty, je crois. Ouais, ouais. Le Havre a raté un pénalty par rate du gardien de Rodez. Je crois qu'il était rentré, en fait. Non. Et sur la ligne, limite à rentrer, dingue. Complètement dingue. Et là, il n'est pas validé, donc c'est bon. Non. Donc, voilà. Toujours 0-0. Le titre est encore en lice. Mais non, mais voilà. Mais après, c'est vrai que si on fait la même composition que contre Caen, et alors la même entame, oui, ça sera très bon. Par contre, si dans le même dispositif avec le milieu qu'on a eu, Lacou, Mwanga, Fran Sergio, là, ça risque d'être par contre trop compliqué pour nous. Je pense qu'il va falloir, je pense qu'il y aura des changements de la part de Guillaume vu l'adversaire qui sera un peu différent que ce qu'on a vu précédemment avec Grenoble, Valenciennes et Caen. Peut-être un retour d'Ignatenko au milieu. Je pense pas lui, mais peut-être une sortie de Lacou surtout. En Ligue 2, les arbitres, ils ont la montre qui vibre quand le ballon passe à la ligne ? Je crois, ouais, je crois. Ah ouais. La goal line. Il n'y a pas le VAR, mais la goal line, peut-être. Ouais, je pense que oui, il faut vérifier. Après avoir, parce qu'ils en parlaient de la VAR, notamment que les clubs n'avaient pas voulu financer en Ligue 2 jusqu'à, et que ça allait arriver dans deux saisons. Si j'ai bien compris, pas celle d'après, mais l'autre. Mais la goal line, il me semble. Oui. À vérifier. Bon, messieurs, tiens, je vois un message là, c'est sur Facebook. Hervé qui nous dit oh, ça fait depuis longtemps. Par contre, si on n'est pas sociaux, nos messages sont plus cités. Donc, je suis moins assidu. Bonne continuation. C'est pas vrai parce qu'on ne sait pas qui est sociaux ou qui ne l'est pas. Bah, oui. Et alors, après, il y en a qu'on connaît oui, un peu mieux parce que quand ils sont sociaux, on a accès à un serveur Discord pour échanger. Donc, on se connaît un peu plus. Mais on essaie de citer tout le monde. Hein. En tout cas, Conan, on ne sait pas là. Je ne sais pas vous dire si Christian est sociaux, je ne sais pas. Machonneur, je ne sais pas s'il est sociaux. Ouais, c'est pas le cas non plus. GG, tu n'es pas sociaux. Mais qu'est-ce qu'il était à chaque fois. Van Brockhoven. Ah, oui, bon, GG. Bon. N'oubliez pas une chose, c'est que Nico encore a une vue sur les choses. Moi, je ne regarde pas, je ne passe même pas trop sur le Discord. Donc, je ne sais pas qui est sociaux. Et c'est moi qui mets ça. Donc, vous dites pas que c'est parce que vous n'êtes pas sociaux que je ne mets pas vos messages. Moi, je ne mets pas. C'est énervé. Hein. Il balance un peu. Il est énervé, Conan, ce soir. Conan, il est en forme. Hein. Ne chauffez pas trop, les gars. Ne chauffez pas trop. Attention, la dernière fois, on me disait, ouais. La dernière fois, on me disait, ouais, le capitaine, on dirait qu'il est dans la fumée, ouais, Conan, il dort et tout. Non, là, c'est fini, il y a le nouveau Conan maintenant, c'est parti. Ah, parce que si vous le chauffez après, les gars, c'est, franchement, pendant le mercato, il n'y aura plus de transfert, les gars. La vue, il va rester au sol. Ça va envoyer, là. Ah ouais. Bien sûr, les gars. Allez. Conan, il a arrêté le Lexoville. Vous êtes tous. Ah là là, bon, ben messieurs, on a terminé cette émission, c'est magnifique. Merci à vous, messieurs, déjà, Conan, Gino, Joe, merci Laurent, à toi, Nico. Debré, merci à Laurent, Laurent aussi. Merci, super. Merci Nico. À tous ceux qui nous ont suivis. Oui, Laurent, te vois plus, Laurent, on voit plus que ton maillot. Ah voilà, non, est-ce que tu me permets de faire de passer une petite information? Oui, c'est. Vas-y, c'est les vérifier. Alors, c'est juste pour mettre la Corrèze, moi, Corrézien et Briviste pure souche, c'est pour mettre juste, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a, depuis ces quelques dernières années, beaucoup de jeunes, masculins et féminins, qu'on est venu chercher à Brive et dans ma commune où j'habite, juste à côté à Brive, dont deux féminines qui ont signé professionnel récemment au Girondins de Bordeaux. Ah, génial! Et le jeune Tibili qui est briviste aussi. Tibili? Oui, David Tibili. Ah, je l'ai vu jouer. Voilà. Ah, eh bien, écoute, voilà. on le suit, Laurent, parce que moi, je l'aime beaucoup, ce petit. Ah, mais et son frère joue en Angleterre. D'accord. Son frère joue en Angleterre et il était à Brive aussi et il joue en Angleterre maintenant. Et enfin, bon, bref, tout ça pour dire que comme dans toute la France, mais depuis quelque temps, il y en a eu par le passé, mais il y en a, ça revient là et on vient chercher. Et j'ai un pote qui a un gamin de 11-12 ans qui est déjà repéré par les Girondins. Là, par contre, je trouve que bon, c'est un peu jeune, mais un peu tôt. Ouais. Et un autre pote qui est entraîneur dans mon ancien club à côté de Brive et qui est agent recruteur pour les Girondins. Voilà. Donc, marche bien la les Corréziens sont là avec vous, avec les Girondins, en sachant qu'on fait partie de la même région. Mais bien sûr. Oui.
Gironès, c'est le Et bien, c'est phare. magnifique. Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, on m'a C'était juste une petite précision. Ouais, super. Nico, hein. Et c'est qui les filles, Laurent? Bien fait de les la deux faire. Filles. Alors, deux c'est filles la petite Drunet. Alors, attends, okay. Parce que je ne me rappelle pas. La petite Drunet, qui, elle habitait à 50 mètres de chez moi. D'accord. Brunet, c'est ça, gardienne. Dru, un D. Drunet, non, d'accord. Okay. Un nom composé, c'est un nom okay. composé. D'accord. Et l'autre, c'est Marquès, je crois, de mémoire. Hein, de mémoire. Mais je, on t'a pas les noms. Je connais plus la petite Drunet parce que je connais bien ses parents et ses grands-parents. Mais voilà. Mais elles ont signé récemment au club. Okay. Attends, je suis en train de chercher les infos. C'est vrai qu'on a fait. Les deux qu'on a fait signer là, pour te donner les noms, je vais regarder oui. si je trouve les noms. Ouais, je suis désolé parce que je voulais le faire, mais comme j'ai tendu, voilà. Ils ont tendu la pelouse, super, tu peux pas être partout. Hein. Et juste les gars, il n'y a pas la goal line parce que le ballon était rentré sur l'occasion du Havre, voilà, sur le penalty. Ouais. Ah, il était rentré. Il était rentré. Aïe, aïe, aïe. Ça a été mis sur le chat et j'ai vu les images, effectivement, le ballon était rentré. Le penalty n'est pas rentré, c'est sur la reprise qui est faite derrière. C'est ça, c'est ça, ouais. Et tu as dit, Joe, il n'y a pas la goal line, hein? Non, ouais, c'est ouais, on vient de le voir parce que le ballon est rentré là du Havre et ça n'a pas compté. Le but n'a pas compté. Ah, voilà. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Alors, la joueuse dont tu parles, c'est Ambre Basser-Drunet, qui est passée professionnelle. C'est ça. Et est-ce que la deuxième, c'est Serena Pinto de Queiroz aussi? C'est non. ça. Si ah oui, ben je les crois deux, que c'est ça. Ouais, les deux en même temps. D'accord. Super. Très bien. Bon, ben, très bien. Eh bien, parfait. Impeccable, Laurent. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Moi, je vous remercie à tous, déjà, et à toi, Nico, de l'invitation. Eh bien, parfait. Merci, Joe. Merci, Laurent. Merci, Conan. Merci, Gino. Passez merci une bonne soirée, une bonne journée. On va se quitter avec le générique des sociaux. Je ne sais pas s'il y aura une émission jeudi, puisqu'il y a le repas des sociaux à préparer pour samedi. On fera un débrief qui sera à moitié depuis le lieu, le pub où on est, et à moitié en studio, avec, si tout va bien, retour de Antoine Chouanoir pour l'animation. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, salut, allez Bordeaux, ciao. Allez Bordeaux, ciao. Merci ciao à tous. Aux sociaux pour leur soutien, bye bye. Bye. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Not all guys are these scared, but I'm aware that you're special. So let me take you somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower. I'll teach ya how to open up real nice, baby.